Oh.
Allez, bonsoir tout le monde, c'est Angile, avec toujours un petit peu de retard, bon, pas de beaucoup, hein, 5-6 minutes, c'est bon, on est dans les temps. Alors, hop là, c'est parti. Attendez, je m'installe bien quand même, parce que là, il y a les câbles de la manette qui sont dans tous les sens, quel enfer. Alors, bonsoir, le chat, oh là là, il y a plein de monde. Comment allez-vous? Et l'autre il dort encore là, c'est honteux ça. Bon, j'ai changé de stuff. Petite armure tétranadon. Est-ce que j'ai fait... Non, je crois que je l'ai pas fait. Hein. J'ai hésité à faire le fusil arbalète en tétranadon. Mais je vous avouerai que... il avait l'air naze en fait. Parce qu'en fait... Enfin, il avait l'air pas trop mal, dans le sens où il a beaucoup de munitions niveau 2, des chargeurs bien remplis avec un rechargement qu'on peut... Enfin, on peut recharger en se baladant, c'est pour ça qu'il y a un petit icône vert avec deux flèches. Mais vous voyez que, eh ben, on peut pas du tout se balader en même temps qu'on tire, donc bah, c'est de la merde, en fait. C'est pas ouf du tout. On a quand même les munitions léthargiques 2 qui se rechargent automatiquement. Mais sur tout le reste, eh ben c'est de la merde, globalement. Donc je l'ai pas fait. On va rester avec notre petit fusard Magnamalo. Mais vous voyez que j'ai farmé un tout petit peu pour obtenir une plaque Magnamalo. Et donc, on va pouvoir l'améliorer. Vous voyez qu'on gagne un petit peu... en capacité de chargeur, les léthargiques, les normales 3, les perforantes 3, les dragons perforantes. Enfin, oui, c'est vrai que maintenant il y a des munitions élémentaires perforantes. Pourquoi pas? Et surtout des tranchantes qu'on pourra mettre par 4 et ça c'est cool. Alors, bonsoir tout le monde dans le chat, encore une fois. Hein, Oropis, Luna, Gala. Tout le monde, sopique la cause, je vais pas pouvoir jouer ce soir, je suis en période de bac blanc, c'est chaud là. Juste pour prévenir, pas de soucis, mais surtout bon courage à toi pour les examens. C'est déjà le bac blanc? Pourquoi vous faites des bacs blancs en janvier, enfin février maintenant? C'est pas un peu tôt? Ah mais non, c'est vrai que... Attendez, le bac blanc. Le bac blanc, il y en avait vraiment en janvier? C'est chelou quand même, non? Bon, quoi qu'il en soit, bon courage à toi. Est-ce qu'on n'améliorerait pas cette arme en fait? Si, oui, c'était ça que je voulais faire. Vous m'avez perdu. Alors, forger, améliorer les armes, nanana. Ah oui, il faut du coup, dans certains cas d'amélioration, rajouter des composants pour avoir 10 points. Bon, c'est pas ouf. On va faire ça et on va mettre des écailles. Ouais, parfait. Hop là. Merveilleux. Donc, bon, on verra notre arme plus tard. On va encore faire un petit peu de multi, évidemment. Alors, normalement, j'ai résolu les problèmes je vais y arriver, bordel. J'ai résolu les problèmes de connexion. Donc, normalement, la connexion tient. Bon, après, j'ai jamais testé en stream. Donc on va juste croiser les doigts en espérant que ça se passe bien. Alors Angile, on dirait que tu as fait le plein de gemmes. Bah oui, j'ai joué un petit peu en multi. Bon, très bien, on a eu de la poudre végétale, on s'en fout. On va créer un lobby. Est-ce qu'on met un mot de passe? Dites-moi un mot de passe, le chat. Peu importe.
on s'en fout. Et on va faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va faire de la récolte. Mais oui, on est là pour faire de la récolte. On va faire de la récolte au niveau expert. C'est complètement con. Ok. Le code. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme code? J'en sais rien, moi. Je mets des emojis. Ah. Le mot de passe qui marche même pas au pas. Sérieux? Le mot de passe marche pas? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? 22-12, c'est parti. Le premier du chat. Hop là. Et du coup, attendez, je vais quand même vous mettre hop, l'idée du lobby dans le chat. Alors, où est le chat? Ici. Ça fait un bail. Ben oui, John Vano, ça me parle, ton pseudo. Bonsoir, bonsoir. MDP, on a dit 22-12-2022. J'avoue que ça aurait été le beau jeu, full Manitou. Oula, excusez-moi. Je poque. Donc, voilà, j'ai joué un petit peu avec Sopic Lacos. Oula. Dans la semaine, et j'ai eu aucun bug. Allô? Insane. Le jeu me troll. Donc là, c'est reparti pour les bugs. Putain, j'en ai trop. J'ai eu aucun bug. Attendez, je regarde, je vérifie. Je vais retenter. Mais je vous assure que je n'ai eu aucun bug. De connexion en tout cas. Hop. Mot de passe. On fait de la récolte. J'ai eu aucun bug en... Ouais, genre des sessions parfois de 4 heures. Et là forcément je suis en stream et ça bug. Quel enfer. Je vous remets l'idée de la session. J'aime pas, oui, si vous m'avez dit que le mot de passe ça ne servait à rien. J'ai une connexion de merde et j'ai jamais eu de bug sur Switch. Ah ouais? Putain, la chance. Mais je sais pas, je pense que c'est vraiment le combo stream plus le jeu qui... Mon PC a peut-être du mal. Attendez, je vais peut-être modifier un peu les paramètres. Toujours le mot de passe, hein, 22-12. Hop, ça on va le diminuer un petit peu. Attendez, je vais couper mon micro parce que sinon ça va être un enfer. Non, c'est bon, ça m'entend toujours. Mais ça ne marche pas du tout. Quelle affaire. Alors, attendez, je suis désolé. On va baisser la co. On va mettre un 8000. Allez, 8000. On va tester 8000. C'est parti. Ça devrait libérer un petit peu de la bande passante. Ah, ce cher Salou est avec nous. Oh là, trop, trop stylé, mais... Quel est donc ce set? Alors, attendez. Le haut, c'est un masque de Jagi. Le reste, c'est du... je sais pas ce que c'est, les bras. C'est du Vrogi, non? Les jambes, ça m'a l'air d'être du Vrogi. Et le corps, par contre, c'est du Ludros normal. Bon, vérifie. Est-ce que je suis complètement nul à chier? Voir les infos équipement. Alors, Jagi... Ah, mais non, full Jagi et le reste en Ludros. Très bien. Du coup, attendez, j'avais quelqu'un... fallait que je parle à lui. Tout bon chasseur de Kamura se doit de savoir comment maîtriser la faune locale, c'est pour ça qu'on doit rassembler des infos sur toutes ces créatures. Tu veux bien m'aider? Ne t'inquiète pas, je ne te demande pas de travailler gratuitement. Évidemment, il va nous donner des philoptères. Essaye de trouver 30 espèces différentes. Large. Je n'en attendais pas moins de toi, à vrai dire. Voyons voir, toutes ces créatures différentes, c'est incroyable. C'est quoi ça? Et ça, j'en ai jamais vu. C'est génial, fantastique. Oups, pardon, je m'emporte. On est grands philoptères, comme je vous le disais. Merveille. Allez, 8 de plus. Et du coup, on est aussi rejoint par Fenrir. Bah écoute, on va aller tranquillement à la guilde. Attends, il y a quelque chose à nous dire. Tu tombes à pic, j'ai besoin d'un service. Oh non, pas de service, Yomogi. J'ai demandé à mon fournisseur habituel de me livrer des ingrédients pour ma nouvelle recette de dango. Sauf que maintenant, la route à travers l'archipel de glace grouille d'Izuchi et de Baggy. Oh non, mais vraiment, ça va être super simple.
Qu'est-ce que je vais faire moi si mon fournisseur finit dans l'estomac d'un de ces monstres? Non mais s'il finit dans l'estomac d'un Izuchi ou d'un je sais plus quoi, il est juste nul à chier. Sans ingrédients, ce n'est pas que ma nouvelle recette va en pâtir, mais mon menu habituel aussi. Angel, est-ce que tu pourrais t'occuper des Izuchi et des baguilles pour éviter ça, s'il te plaît? Oui, 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 si tu veux. On fera ça. Enfin, je vais chasser des Jagi. Que se passe-t-il? Bah écoutez, sélectionnez une quête. Hein. Attendez, vous êtes tous... Oh là là, mais vous êtes tous full rang, là. Sur quoi est-ce qu'on va se chauffer? On peut faire un Izuchi... Qu'est-ce qu'on a jamais fait? On n'a pas vu les baguilles encore. Aknosum, on a déjà vu. Le Lagombi, je ne sais même plus si on l'a vu. Et tout ça, en soi, on s'en fiche. On n'a pas encore de nouveaux talents à prendre sur le fusard lourd. Rathalos, mais non, pas encore Rathalos. Ah non, c'est les énigmes dans le chat. Excusez-moi. Est-ce que mon pseudo vient de Final Fantasy? Oui, bien sûr, Tatsuke. Oui, oui, oui. De Final Fantasy 7. Est-ce que le fusard est bien sur cet opus? Écoute, il est pas trop mal. De ce que je sais, il est plutôt cool, ouais. Salut Sherko, du coup. Il nous rejoint également. Alors, qu'est-ce que je fais? Attends, hop, hop. Comment est-ce que c'est? Ah non, c'est là, les 7 d'objets. J'ai encore les raccourcis, on va dire, en mémoire de Monster Hunter World. Vivement qu'on ait fini le scénario du jeu. Qu'on puisse faire un petit peu les quêtes qu'on veut. Salut Fenrir, salut, salut. Alors attendez, il faut juste que je fasse ça, ça. Non, c'est bon, j'avais déjà fait mes raccourcis. C'est parfait. Voilà, on va attendre là. Ça va être bon, on va pouvoir y aller. Je trouve ça vraiment excellent là que les deux petits ils battent en rythme. Je trouve ça trop stylé. Est-ce que tu peux montrer tes talents d'armure? Ah mais oui, je vous ai pas montré. Alors, talent d'armure, vite, vite, vite. Attends, ah non, il en manque toujours un petit. Ah mais lui aussi, il a des trucs à nous dire. C'est parti! Mon opus préféré entre World et Rise. World! Tout de suite, sans réfléchir. D'ailleurs, je vous ai pas demandé la balance audio, tout ça, c'est bien, c'est bon. On est pas mal, on m'entend bien. Hop, on va prendre ça. Ah putain, j'ai encore ce truc trop bizarre où le toutou refuse de monter. Bon, équipement. Est-ce qu'on peut le voir dès l'état? Ouais, voilà, on peut le voir dès l'état. Du coup, normal, rapide, plus. Héroïsme niveau 3. Alors normal, rapide, plus, hein, c'est que les dégâts de nos munitions rapides sont augmentés. Héroïsme, on va avoir une défense et une attaque augmentée quand on n'a plus beaucoup de vie. Spartiate, je sais plus ce que c'est Spartiate. Augmente de 100% le délai jusqu'à la réduction de votre endurance maximum. Ok, bon ça on s'en fout. Salve mortelle, on a certains coups qui font plus mal au fusarbalète et à l'arc. C'est les coups spéciaux je crois. Ouais, munitions spéciales. Ok, carnassier, pas plus mal, ça en vrai c'est plutôt pratique. Trompe la mort, c'est cool aussi, et grimpeur, on s'en fiche. Voilà, voilà. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont tout en haut. Je sais plus du tout quelles épées on a pris. Ça va être dur, hein, ça va être dur. Dis bonjour à Fenrir de ma part. On lui a dit bonjour. Oula. Mais quel... Non, c'est bon, j'ai cru que je l'avais pris. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va y aller à l'anti-blindage. Voilà, je sais pas viser. Oh, je suis nul à chier. Au secours. Voilà. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? La spéciale. Alors, c'est chiant vu qu'il y a une légère déviation à droite. On retourne sur les anti-blindages. Sérieusement, il m'a vraiment empoisonné là, le Reboga. Ah, je vois pas la tête. Il se passe trop de trucs.
C'était ma munition là que j'ai vu exploser, c'était assez fun à voir je trouve. Du coup attendez, faut quand même que je tape. Et elles sont où les... Voilà. Ah, ça fait que deux quand il y a quelqu'un sur l'air. En tout cas j'ai hâte que ma connexion bug. Où vas-tu? Ah nous il va aller se taper sur l'autre. Malinx le lynx. C'est le Magna Malo non JSL T-Rex? Ah j'aurais dit Magna Malo tu vois. Ah mais il est tout petit l'autre. Ou alors c'est l'autre qui est très grand. Enfin en tout cas un des deux a une taille chelou. Ouais, quand il y a quelqu'un dessus, ça lui fait presque, enfin on lui fait presque pas de dégâts. Alors on a boosté nos copains. On en a changé là. Non, je sais pas en vrai. Si si, c'était l'autre qu'on faisait avant. Putain mais je suis vraiment nul à chier, hein. Je sais pas viser. Il va falloir apprendre à viser avant la fin du jeu quand même. Ah merde ça a tiré la balle. Oh le chat, regardez le chat avec la bombe. Excellent. Oh ça passe, bien joué. Ah j'ai essayé de la mettre mais trop dur. Tellement stylé la morpho quand même. Enfin la volto plutôt de Fenrir. Bien joué ça. Les joueurs de volto. Allez c'est bon, il est mort. Calmez-vous. C'est bon, il est mort. On n'entend plus beaucoup parler de MHG. Je pense il aurait dû continuer sur Iceborne. Mais c'est mon avis. Comment ça Slicer, je suis... Ou Slicer, plutôt. Je suis au tout début, là. Je suis rang de chasseur 2. 4. Je suis rang de chasseur 4. On fait l'histoire pépère, tranquillou. Puis ensuite on farmera les rangs. Oh sérieusement, je vais tirer un tout petit peu trop tôt. Oh yes, merveilleux celle-là. On pourrait croire que je sais jouer. Ah oui! Facile! Super simple ce jeu. GG les enfants. Comment on fait GG dans ce jeu? Bah bien joué! Attendez. Ah mais non, mais c'est juste un. C'est juste une emote! Idiot bête! Trop dur. En même temps, vous êtes tous à des rangs incroyables, non? J'ai cru voir ça. Par contre, dites-moi dans le chat, quand on débloque, vous savez, notre rang de chasseur, ça prend en compte toutes les quêtes qu'on a fait auparavant ou pas? Comment ça, on a eu de la chance? Parce que c'était une taille, tu penses? Parce que si... Enfin, j'espère que ça prend en compte toutes les quêtes qu'on a fait. Et que c'est comme dans World ou... Ou Iceborne, où quand notre rang de maître ou notre rang de chasseur est débloqué, on passe directement au niveau 21, c'est plutôt cool. Super facile, tu te fais carry. Mais non. Bon d'accord, un petit peu. Un petit peu, c'est certain. Salut à toi Marilyn. Bonsoir à tous ceux qui arrivent.
Alors. Attendez, on a des promos. J'ai vu qu'il y avait un mode pour enlever cette musique démoniaque. Oh là là, Teyarmon Badji. Il faut y croire. Et ben voilà. Une théière avec un dessin de Bombadji inspiré d'un conte local. Bien sûr. Bah écoutez, prenez la quête que vous voulez, les gens. Parmi les quêtes de niveau 4. Prenez ce que vous voulez. De préférence. Pas le duo de Grand Baggy, ni le Tetranadon, ni le Kezu. Un des autres. Comme ça, je vous laisse un petit peu choisir. C'est pas tout le temps moi qui choisis. Après, je crois que c'est la première quête en multi que je choisis. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est le cas. Je crois pas que ça compte. Bah, pas du tout, ça compte pas. Ah ouais, d'accord, bon, bah super. Donc l'objectif, c'est vraiment de vite débloquer le rang de chasseur, quoi. Et oui, Gala, je l'avais dit au tout début, en fait, avant qu'il y ait les mises à jour de Rise, dans la version 1.0, ça comptait pas, c'était de la merde. Et du coup, je t'avouerais que j'avais grand espoir que ça ait évolué, mais apparemment non. Cette musique. Merveille. Alors. Du coup, manier la corne de chasse. Très bien. Oh là là, on va jouer avec deux morphos. Deux volto, pardon. Insane. Oh là là. Calme-toi, cher. Au secours, mes yeux. Pigmentation, tout ça, on s'en fout. Et Zébardi. Je sais pas si je suis l'un des seuls à choisir un perso fille dans les MH. Bah non, tu vois que j'ai pris un perso aussi féminin, en l'occurrence. Ah mais j'attendais, j'ai pas mis les boosts au fusard et tout. Oh là là, quelle grosse merde. Faut que je le fasse. Après moi, j'essaye vraiment de varier. Ne pas tout le temps prendre un mec ou pas tout le temps prendre une femme. Oh, regardez-le, il était tout mignon. On va prendre un peu des normal 3. Merveilleux. 88? Putain, c'est fort. Ouais. Un petit 216. Tu peux le faire en ville. Ah oui, oui. Laissez-moi faire. Je vais lui casser la gueule. Oula. C'est bon. Vous inquiétez pas. C'est vraiment super dur, je trouve, le fusard lourd. Je sais pas comment vous faites, les gens qui jouent que à ça. Il faut vraiment que je joue les normales, hein. J'ai l'impression que c'est ça qui fait le plus de dommages. Donc là, 4 fois 21, ça fait 84. Alors que là, si je prends une normale 3 et je la charge au max... Putain, j'ai pas voulu faire ça. À quand un making of sur le lag? Ah. Putain, vous êtes vraiment en train de me laisser comme une grosse merde tout seul, là? Voilà un petit 88, là. Si je chope la tête, ça vaut le coup. Donc, making of sur le laggy un jour. Mais, indice, ce n'est pas le prochain. Ah merde, il s'est relevé, j'avais pas vu. C'est pas mal ça. Il y a trop de trucs à l'écran. Regardez, on le voit même plus.
Je le vois pas, c'est terrible. Les munitions sont là, voilà. Après, je pense que là, il va pas tarder à mourir, non? On va tirer des léthargiques. Faut pas les mettre dans la tête, les léthargiques? Je sais pas. Voilà, c'est bon, il est mort. Ah bah heureusement que j'étais là pour vous carry, hein. Genre j'ai servi à quelque chose. En vrai ça va, je trouve que les dommages sont pas insane. Mais c'est pas non plus trop dégueu quoi. Je fais pas des 12 par munition, donc ça va. C'est quoi le prochain making of? J'ai pas entendu. J'ai pas dit quel était le prochain making of, j'ai juste dit que ça ne serait pas le lagué à Crus. Go laisser Angel 1v1 le tétra. Secours. Vous voulez ma mort? Après j'ai une armure tétra, j'en ai fait quelques-uns. Est-ce que je vais dévoiler un jour mon visage? C'est pas prévu, peut-être un jour. Mais c'est pas prévu. Hop. Il a rechargé sur place, j'avais pas vu. On est passé à un cheveu du Bulfango, insane. Oh là, attendez, j'ai un truc à virer dans le chat. Alors. Qu'on s'y retrouve là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Jamais trop compris l'intérêt des shrapnel quand même. C'est de la merde, non? Oh, sérieusement, j'ai fait du 1 là? Tu veux pas m'attaquer plutôt? On tire dans le tas. Hein. Pas de modérateur, j'en ai un. C'est Sopitoacus, mais il n'est pas là. Mais oui, il faudrait peut-être que j'en ai d'autres. Oh là, je regardais pas ce qu'il faisait. Ouais, le contre-tir, c'est ce que j'essaye de placer, mais comme il m'attaque jamais, le petit coquin, c'est compliqué. Attendez, il y avait des objets. Une petite cuirasse. Attends, mais vraiment, j'ai plus de munitions anti-blindage. Comment ça? On gère l'écosystème. C'est exactement ça, Pharex. Ah là là, Chéro, j'ai vu. J'ai vu, Chéro. J'ai vu ce qui s'est passé. Oh merde, j'ai raté ça, quelle grosse merde. D'ailleurs, attendez, je viens de penser à ça. Voilà. Donc là, oui, mais... Ça marche aussi avec les tranchantes? En quel cas, c'est pété. J'ai l'impression que ça marche. Je pense que ça marche. Hein. C'est abusé.
Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est déjà debout? Oh, mais il est ouf! Bien joué le chat! C'est pas dur le HBG. Ah, je sais pas, hein. Moi je galère. Enfin, je galère. C'est pas très, très compliqué, mais... C'est compliqué de faire des dommages, enfin des gros dommages, je trouve. La caméra est partie en vacances sur la fin. Alors, j'ai toujours pas trouvé où était cette fucking épée. C'est un coup à prendre. Ouais, j'imagine. Je sais toujours pas où est-ce qu'elle est cette épée. Je sais pas combien de temps on a mis. 7 minutes 52, ouais, easy. Très important hein, de toujours s'accrocher en fin de quête pour éviter l'animation de ses morts. Et gagner un petit peu de temps sur les chargements. Je vais manger, bon live, bonne chasse. Et bien bon appétit à toi mon petit Alkazix. La talent de substitution coup mélodieux de l'arme corde de chasse a été ajoutée. C'est vrai que nous on n'en a pas encore trop utilisé. On en utilisera plus tard je pense. Et pour l'instant c'est vrai qu'on n'a rien d'intéressant de débloquer. Encore une fois, je vous laisse choisir une quête, hein, le chat. Une petite quête de 4 étoiles. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Ayame? Ah oui, le Dark Kelby. Ah mais oui, je me souviens que les cornes Kelby, je les ai achetées à Rondine comme un gros sac. Alors c'est vrai, je peux les prendre? J'espère que tu ne m'en veux pas. Trop. Merci mille fois. Je vais dire à mon ami que c'est grâce à toi que j'ai toutes les pièces. Il va être super content. En parlant du cadeau en question, les forgerons n'avaient jamais fait ça. Donc ils ont suivi mes instructions. Ça te dérange de te retourner pour me parler ou... Parce que bon, tu as certes un très joli dos, mais c'est quand même mieux de parler voilà, face à face. Donc les forgerons n'avaient jamais fait ça, donc ils ont suivi mes instructions. Je suis prêt à parier qu'ils vont commencer à en produire sous peu. N'hésite pas à aller voir le Dark Elby, très bien. Oh, le gros lapin. On part sur un petit lagombi. J'ai déjà mangé? Pardon. Oh là, mais il est trop stylé. C'est l'armure Damascus. C'est l'armure Damascus. C'est salou. Mais ouais, l'armure Damascus. Damascus, pardon, et la coiffe à coquille. Putain, il est trop stylé. Mais qu'est-ce que tu as, Fenrir? Ah, ça, on n'a pas encore vu le monstre, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on est prêt à y aller? Non, il nous faut... Non mais c'est quoi cette Volto? Pourquoi est-ce qu'elle elle brille comme ça? C'est trop chelou. Hop. Non mais je suis trop perdu dans ces trucs-là. Ah merde, j'ai plus de... Ah mais oui. Alors... Il faut qu'on en achète. Oh, c'est les soldes en plus, merveilleux. Ça aussi, il faut l'acheter, putain. J'arrive, le chat, ne vous inquiétez pas. Écoutez, c'est les soldes. On se fait zizir. Acheter dans la sacoche une amulette de défense, c'est la priorité. Putain, mais non, c'est pas la priorité, c'est l'amulette de force, la priorité. Idiot bête. Voilà. On est parti. Alors attendez, je vais remettre le lien de la session vu qu'on n'est plus que 3. Si quelqu'un veut rejoindre, avec grand plaisir, le mot de passe. On a dit c'était 22-12, non? Je crois que c'est ça. Vente et œufs d'or pour la mulette. Ouais, très bonne idée, Farex. D'ailleurs, je crois que je peux le faire d'ici. Non, j'ai pas l'impression. On le fera après, c'est pas grave. Pourquoi je vois pas, quasiment pas de fusil arbalète lourd? Alors de ce que j'ai vu, c'est quand même une arme assez utilisée. Hein. Je crois.
Ah merde, il est zone 9. C'est pas grave. On s'est rapproché un petit peu. Oh, ce nice. Voilà, et oui, et quand on sera 4, il faut que je vous fasse part d'une expérience absolument incroyable que j'ai découvert. Je l'ai déjà montré à Sopi Clacos, qui m'a dit que c'était absolument horrible. Il faut que je vous partage ça, bien évidemment. Si vous voulez un grand moment de malaise, vous allez être servi. Oh, abusé. Il m'a esquivé. J'aime trop quand il fait sa petite galipette là. Il est tout mignon. Ah, il en fait deux. Ah bah oui, il est au rang sup. Je suis con. Je m'excuserai, hein, je prends un peu de composants de baggy. Écailles de baggy de qualité essentielle pour renforcer les armes. J'en ai jamais eu. On va mettre des petites anti-blindages pour le stun. Je sais pas si je suis sur la tête là, je crois pas. Sur la nuque, oui. Est-ce que ça va compter? Eh hey, ouais, ça a compté comme le stun. Trop stylé. On a un peu triché, mais ça passe quoi, c'est le plus important. Voilà, j'ai fait de la merde. Ça pour ce oh, ça fait pas mal de dégâts, ouais. Plutôt cool. On va y aller au plomb, juste que je les trouve. On va mettre un petit coup de boost à tout le monde là. Voilà. Tant pis, je lui ai mis une explosive dans les fesses. Pourquoi il y a des traits violets? Parce que c'est de l'affinité négative? Je me rappelais pas que ce soit violet en fait l'affinité négative. Ça compte comme la tête, j'en suis sûr. Et oui. Voilà, nous on stun. Vous faites les dégâts et moi je stun. On fait comme ça? Ça me semble plutôt honnête. Allez-y. Ah, paraît que ça rejoint le lobby. Nous serons donc 4. C'est merveilleux. Je vais pouvoir vous montrer quelque chose de fou. Sur quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on tire? Je ne sais pas, je suis perdu. Ouais, peut-être que je m'arrête quand même. On va y aller au tranchant. Oh non, attendez, on va faire chier tout le monde. Oh non! Oh le petit bâtard, il les a esquivés. C'est pas grave, on va réessayer. Il est en train de m'empêcher de tirer. Je l'ai tiré, c'est bon. Yes! Excusez-moi, j'arrête. C'est promis. Alors, les frags, hein, c'est. Faut pas tirer les frags en multi. Faut jamais tirer les frags en multi. Ou alors, vous faites une run avec 4 fusards et tout va bien, quoi. Mais sinon, c'est vraiment pas une bonne idée. Regardez-moi ça, pareil, ce qu'ils veulent tirer là. Oula. Excusez-moi. Salut Angel. Ça s'écrit sans le D, mais... mais oui, salut à toi.
prend le pauvre. Voilà. Pareil que ça arrive et il défonce tout. Solide, gluant et épais, utilisé pour fabriquer des équipements supérieurs, le plastron Lagombi. Comment ça, gluant? Pourquoi son plastron il serait... Pourquoi son plastron il serait gluant? Est-ce que c'est parce qu'il a un liquide ou je sais pas quoi pour glisser sur la neige? Salut Saïra. J'ai raté quoi? T'as raté quelques quêtes en multi et pour l'instant un seul bug de connexion, si c'est pas incroyable. Après depuis que j'ai diminué, peut-être qu'il fallait juste diminuer le débit vidéo du stream. Alors je sais pas si vous allez me le dire d'ailleurs, est-ce que le débit en stream est toujours correct? Enfin la qualité. Ça se prononce Seira. Ah mais oui, je t'avais demandé, idiot bête que je suis. Eh bien, excuse-moi. Seira, j'essaierai de m'en rappeler. Spoiler, j'aurai oublié la prochaine fois. Mais tu me le rappelleras avec grand plaisir. Donc voilà, dites-moi si la qualité du stream elle est toujours ok. J'ai vraiment un petit peu baissé, enfin j'ai baissé de facile 10% le débit. Donc vous me direz si c'est mieux ou pas. Enfin si c'est toujours correct en tout cas. Ce sera probablement pas mieux vu que je l'ai baissé. Mais ouais. Quel est le programme pour ce soir? Bah, le programme pour ce soir, c'est tout simplement de monter de rang de chasseur tranquillement, pépère, en votre compagnie. Parce que tu vois que je ne suis que rang de chasseur 4. Pareil que c'est rang de chasseur 6. Fenrir 47 et Salou, n'en parlons pas. C'est honteux d'être ce rang-là. Si, j'ai la fibre, Evans. Si. J'ai la fibre. Ah non, mais j'ai un débit incroyable, hein. Mais j'ai des bugs quand je suis en stream. Donc je ne sais pas trop. Bonne qualité, 720p, 60 fps, bah écoutez. N'hésitez pas à prendre une quête, hein, 4 étoiles, peu importe. Bah attendez, non, je vais la prendre. C'est moi qui décide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Divine comédie, une danse miaourveilleuse. Non, on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas trop vu? Izuchi, on a bien vu quand même. Non, bah écoute, on va faire celle-là. Hein. Hop là. Izuchi, on en a fait un juste avant. Ça, on l'a pas fait, donc c'est parti. J'ai déjà mes objets. Faudrait qu'on mange, idiot bête. Chaque fois, j'oublie de manger. Mon arme. Pourquoi je continue de bouffer pour avoir forgeron? Que je serais pas complètement stupide. Mon arme préférée. I don't know. Je ne sais pas du tout. Avec ton nouveau CPU, il devrait pas y avoir de bug. Oui, non, Evans, je suis d'accord, mais. Mais pourtant. Après, je pense que depuis que j'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique. J'ai plus trop de bugs du jeu, en tout cas j'ai plus de crash. Donc ça c'est une bonne nouvelle. J'ai pas regardé l'armure de Parex. Parex, attends-nous au début. On va regarder ton armure. Chose très importante. Alors. Ah mais c'est l'armure DLC ça. C'est pas l'armure DLC? Par contre le casque je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. Non mais Salou, qu'est-ce que c'est que cette armure? Change-moi ça tout de suite. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Regardez-moi ça. Ouais, c'est l'armure DLC, Parax, ok. C'est bien ce que je me disais. Ben on est parti. Let's go. On doit faire quoi? Arzuros et Kuliaku. Ok. Ah mais on n'a jamais vu le Kuliaku. Bon, écoutez, suivons Parax. Je suis perdu. Enfin, je vais faire semblant d'être perdu.
Mon armure, nous, c'est l'armure Tétranadon, et mon Chomsky aussi, il a l'armure Tétranadon d'ailleurs. Oui, je lui ai aussi mis l'arme, c'est aussi du Tétranadon. Donc le gros kappa. Alors, on commence par l'Arzuros. Putain, mais j'ai toujours pas amélioré mon fusard. Je vous le rappelle dans le chat. Hein. Ça finit quand même. J'aurais bien aimé quand même. Avoir un fusard léger en fait. Ah, un poisson d'or massif se vend à prix d'or. Cool! De la thune, j'en ai besoin. Donc ouais, pour au moins infliger paralysie, poison et tout, je me sentirais plus utile honnêtement. Ça passe, ça. C'est dans la tête. Mais ouais, c'est dans la tête. Oh merde, il dort! J'ai pas du tout tilté qui dormait, moi. Ah oui, j'ai vu quelqu'un avec une armure. Enfin, une arme somnacante, non? Ah oui, d'accord. Il y a le Kuluyaku qui est juste derrière moi. Cette musique. Absolument génial. Pauvre bait. Oh, je regardais pas. Faut quand même que je lui mette au moins mon ulti. Au moins une fois. Allez, retourne-toi. C'est bon, ça passe. Ouais, ça compte, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, je voulais y aller. Et foutez-moi la paix. Allez, une petite explosive dans les fesses. C'est beaucoup de plaisir. Il l'a senti passer, j'ai l'impression. Il va mourir là. Ah non. C'est bon quand même. Tu peux pas utiliser les effets de statut sur ton fusard, non, je crois pas. Tu vois, j'ai que léthargique, donc c'est un peu de la merde. Et j'ai les munitions démons, donc j'essaye de les utiliser de temps en temps pour booster l'équipe. Mais non, malheureusement, je peux pas faire de munitions type paralysie, sommeil, poison et tout. Ça aurait été plutôt cool. Salut Adis. Et salut Milan. Mylan peut-être. Mylan, ça fait très entreprise pharmaceutique. Pourquoi tout le monde tape le tétranadon? Les enfants, il faut taper le Kuliaku. Vous êtes perdus. Ils sont perdus. Mais que font-ils? Oh non, le génie! Il a pris le tétranadon pour aller taper le Kuliaku. Oh là là! Non mais vous êtes trop fort en fait. Vous êtes juste trop fort. Enfin, moi je vais faire un. Je vais faire un documentaire. Là. Vous êtes trop fort. Regardez-moi ça. Les génies. Oula. C'est un peu begouillé là quand même. Hein. Bon allez, on va quand même les aider à taper. Vraiment, je comprends pas. À quoi ça sert les munitions shrapnel? Expliquez-moi le chat. Ça fait pas de dégâts. Non, c'est de la merde. Enfin, j'ai l'impression que c'est de la merde. Regardez-moi ça, là. Le petit boost pour tout le monde, pour toute l'équipe, sauf moi. C'est complètement con d'ailleurs. Je tire une munition démon et je suis le seul à pas en profiter. J'ai raté la tête. J'ai raté la tête, sans tout.
Oh non, c'est bon. J'ai eu très très peu. La pauvre base. Attendez, je vais y mettre mon grain de sel. Ne me tapez pas, les enfants. Voilà. Faites-vous plaisir. Je veux pas qu'il change de zone, pardon. Il meurt dans cette zone. Shrapnel, c'est pas perforant. Non, perforant, c'est encore autre chose. Et ben voilà! Bien joué! Merde, je vous ai pas envoyé les gemmes. Excusez-moi. Voilà, on l'a bien défoncé, ça. À quand les prochains épisodes de 3U? Un épisode par semaine, JSL. Un épisode par semaine. J'aime bien la musique du jeu quand même, elle est cool. Elle est cool. S'il y a bien un truc qu'on veut pas trop critiquer sur Rise, c'est les musiques. Enfin, on peut toujours critiquer un petit peu, mais c'est quand même plutôt pas trop mal les musiques de ce jeu. Bon, où est la dernière épée? Je vais vraiment devoir regarder mon propre guide. Vraiment, on en est là? Le tranchant, c'est pour couper les queues et ça fait comme les écailles de Savage. Oui, pour les munitions tranchantes, oui. Puis après, les munitions tranchantes, de base, c'est pété. Hein. Enfin... Non, ouais, c'est pété. Ça fait quand même des gros gros dégâts, c'est vachement fort. Hein. Alors... Quand tu auras fini MH3, tu feras quel jeu MH? Aucune idée, John. Aucune idée. Déjà, il y aura Sunbreak, je pense. Enfin, on n'a pas encore fini 3 Ultimate. On n'a pas encore fini Rise non plus, mais... On va rapidement avoir Sunbreak, je pense, au final. Alors, il faut que je parle à Maître Ojo, le maître de la guilde. Est-ce que j'ai d'autres personnes à qui discuter avant, vite fait? Oui. J'ai plein de gens à qui il faut parler. Attendez. Au nom de tous les villageois, laisse-moi t'offrir un remerciement ce ticket Kamura. Oui, bon, ok, ça, c'est habituel. À la place de pile poil, on a plein de trucs. Ça, c'est les tickets pile poil. Excellent timing. Les pile poil qui n'ont pas été recrutés ont tellement envie d'aider Kamura qu'ils s'entraînent comme des forcenés. Le chef Kogarashi les a aidés, ils sont devenus vraiment forts. Je suis sûr qu'ils te seraient utiles. Ils s'ennuient ici, donne-leur une chance, ils seront ravis. Ouais, ouais. Une autre fois, mon petit. J'ai une tâche très spéciale à te confier, les miaoursenaires ont détecté des activités liées à la calamité près d'une quête novice active. Nous devons agir. Non, nous devons agir, une menace liée à la calamité a été repérée. Permettez-nous de nous en occuper si tes pile-poil se réunissent. On réussit sur la. J'essaye de lire trop vite. Bonne soirée à toi, Anna. Les shrapnels, c'est comme les grenailles. Mais du coup, c'est quoi la différence entre les shrapnels et les grenailles? Il doit bien en avoir une, non? Je sais pas. Si tes pile-poil réussissent, tu obtiendras des matériaux supplémentaires. On les lancera après. Ok, donc là on a parlé à tout le monde. Donc là on a le grand camp, entrée du grand camp. C'est quoi la différence entre l'entrée du grand camp et le grand camp? Ah, c'est ça l'entrée, oui, logique. Elle a encore quelque chose, elle? Tu as déjà goûté aux nouvelles pommes d'amour de Komitsu? Mais je m'égare. Je voulais te parler d'un truc super important, mais c'est un secret, alors motus et bouche cousue. J'aimerais rendre mes dango encore plus délicieux. Et du coup, je pensais en faire avec des œufs venant du temple oublié. Mais il y a juste un tout petit problème, il y a deux Kuruyaku qui rôdent là-bas. Et ils adorent voler des œufs. Est-ce que tu pourrais t'occuper d'eux pendant que je récupère un œuf ou deux? Allez s'il te plaît, mes dango seront encore meilleurs, crois-moi, tu ne le regretteras pas. Bon, on ira faire ça. Là encore? J'arrive le chat, j'arrive.
Ça se dit Annas. Eh bien, bonne soirée à toi, Annas, et bonsoir, Augustin. Oui, Angile, devine quoi ? Nous avons retravaillé les recettes de nos dangos pour qu'ils soient encore plus délicieux qu'avant. Et c'est pas tout, on a retravaillé toutes nos autres recettes pour qu'elles soient encore meilleures qu'avant. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. En tout cas, n'oublie pas d'en commander avant ta prochaine chasse. Super, cool. Vite ! Le bivouac ! Non mais lui, on s'en fout, il a jamais rien d'intéressant à nous dire. Ah, tu t'en vas, Fenrir ? Eh bien, des bisous, si tu dois partir. Alors, nouvelle quête urgente. Un Juriatodus. Oh non, mais ça y est, je m'en souviens. Quel enfer ! Un Juriatodus a été vu dans la forêt inondée, mais nous avons perdu le contact avec l'éclaireur. Nous nous occupons d'aller sauver le membre de la guilde, mais c'est à toi de chasser le Juriatodus. Le Giratodus ? Giratodus ? On est d'accord qu'il s'est planté ? Il y avait une faute ! Je teste les stickers. Trop marrant, Fenrir. Mais continue de tester. Mais ne spam pas trop, sinon ça va être chiant. c'est quoi le monstre que tu as fini à 11 secondes de la fin sur 4 ultimates? C'était le Gogmazios, si je ne me trompe pas. Alors, une quête urgente vient d'arriver. Ta cible est cette fois un Juriatodus. Non, attendez. Juratodus. Putain, c'est dur à dire, en fait. Hein. Dès qu'on s'attarde un petit peu pour bien le prononcer. Juratodus. Voilà, bref. Donc, le Juratodus... une wyverne aquatique amatrice de marécage. C'est pas facile de naviguer dans ces marécages, comme tu peux l'imaginer. Et les poissons, bonne chance à toi, et surtout n'oublie pas de passer par la douche à ton retour. Allez, le petit Juriatodus. Oui, putain, c'est dur, hein. C'est un enfer. Hein. Alors, on a déjà tout. On mange un petit coup. Je vais changer ce putain de set qui ne sert à rien. Réorganiser, non. Enregistrer un set. Alors, on va prendre booster. Ça, c'est bien ça, tireur. C'est très bien. C'est quoi ce qui est un petit peu méta dans les talents pour le fusard? Je sais pas du tout. Résurrecteur, défenseur. Tout ça, on s'en fiche. Ah, ça y en a, féline. Enfin, dango vaillant. Ça, c'est cool. Le magna croustillant. Bah écoutez, on va prendre ça. Allez, go. C'est parti, le chat, je suis désolé. Il y avait du scénario. Ah non, mais ce monstre-là, c'est exactement ça, Zanafar. Hein. Le monstre le plus osé de World et le plus relou de Rise. Accursed marsh. Said to be haunted, hostile and harsh, a place of deep peril, a true quagmire, for those who get stuck, face a fate most dire. Allez, let's go. Juste boire un petit coup, moi. Ah mais attendez, y a pas des viandes, non ? On doit bien avoir des viandes. Putain, y a pas de viande. Ouais, on va prendre des viandes. Attendez, j'ai plus les fournitures. Oh, ce jeu, c'est de la merde. J'avais oublié. Qu'est-ce qui se passe si on met des viandes genre para ? On va tester. J'en ai plusieurs ou pas? Ah, c'est bon, j'en ai 9. Attendez, on va tester. Ça marche quand même. Ça met l'effet paralysie ou pas, vous pensez? Probablement pas. Hein. Mais attendez, j'ai même pas activé les camps dans cette carte. Idiot. Idiobait. Où est-ce qu'il y en a? Il y en a un là-haut. Il y en a qu'un seul? Juste là? Un petit doute. Je suis plein de doutes.
Voilà, le petit camp. Là, je crois qu'il n'y en a qu'un. Hein. Alors, anti-blindage, c'est reparti. On va mettre un petit boost à tout le monde, là. Qui sont tous regroupés. Et j'ai encore pas amélioré mon fusil armé. Mais tuez-moi, hein. Tuez-moi. Salut Mylan. Bonne soirée à toi. Je pense qu'il y a suffisamment d'informations sur un John Moran pour en faire un mec une... ouais, je pense. Ah bah j'ai bien fait de rater ma mission, il dort. Alors. C'est à moi de faire de la magie là? Mais non, moi je suis nul à chier. Oui. Oui, bien sûr, je mets des bombes. Je mets des bombes là. Hop. Alors, on met la première bombe. Voilà. On met la deuxième bombe. Voilà. Et j'ai mis des bombes. Je vous jure que j'ai mis des bombes. Quelle grosse merde je suis. Ça, ça va être pas mal. C'est pas non plus la dinguerie, mais. Ah mais c'est vrai qu'il a un cri lui, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Ça n'a aucun sens ce jeu. Un petit grand vrogui qui se balade. Coucou monsieur. Attendez, je le prends. Bah non, d'accord. Après, c'est lui qui a tout fait. J'avoue qu'il le mérite. Moi je suis vraiment là en touriste dans cette quête. Quand je l'aurais eu, je m'en serais presque voulu. Putain, j'ai cru que c'était moi qui donnais des coups de katana, je comprenais pas. J'ai tellement l'habitude de jouer au katana. C'est barré. Ah mais non, ça marche, c'est bon. Il est touché. Raté. Oh le petit coquin, il m'a visé. Je l'ai vu. C'est quoi l'idée du lobby? Je le remettrai si tu veux dans le chat après Kitsune. Comme là on est 4, malheureusement. Il n'y a pas de place. Putain mais... J'ai tiré! Quel idiot! Je lis le chat et je fais n'importe quoi. Je pensais qu'on pouvait les charger les munitions démons, mais du coup apparemment non. On découvre, hein. On découvre le fusard. Voilà, voilà. Où va-t-il? Où va-t-il? C'est bon, il est là. Ah. En vrai, ça marche bien les stuns. On n'est pas si dégueu que ça. Ça sert à rien de recharger. Le but est de mettre un KO juste avec. C'est pas moi les tiens. Ah ouais? T'es sûr? Attends. Vas-y, je charge. Merde, vous êtes trop rapide, laissez-moi faire des expériences. Non, non, GG, GG tout le monde. Putain, mais vous l'avez défoncé. Je me souviens que j'avais galéré, moi. On avait combien de temps? Putain, on a mis 5 minutes. Oh, je me souviens que moi, j'avais galéré. La boue se colle à cette écaille et s'accumule au fil du temps. Quand sortira la VOD du live demain? La VOD, elle est dispo immédiatement, normalement, ça ira. Je crois. Je... Oui, normalement. Enfin, YouTube, moi, je la laisse en public dès que...
dès qu'elle est finie. Bon, attendez, du coup, il y en a une tout en haut, là, mais on l'aura jamais. Ah, ça va être trop long, ça va être trop long. Oh, je l'ai eu. Elle est quelque part par là, elle est quelque part par là. Elle était au fond à gauche, je crois. Aïe, 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 je l'ai pas eu. C'est terrible. Fusil arbalète lourd, jamais je n'oserais utiliser ce type d'arme, je suis plus double lame. Ah, moi je sais pas jouer, enfin je sais jouer double lame, mais ça me tue de matraquer le bouton attaque en fait. Je peux plus. Demain go dessiner en l'écoutant, bonsoir. Ben ouais, let's go, ça ira. Bon dessin demain du coup. Alors bonjour, bonsoir plutôt Hojo. Ça me rassure de voir que tu vas bien. C'est vrai qu'il fait toujours jour à Kamura. Il n'y a pas de cycle jour-nuit. Il y a des cycles jour-nuit dans les cartes, mais au village, il fait toujours jour. Ça n'a aucun sens. Promis, le prochain monstre que je prépare pour chevaucher, je te le laisse. Ah, merci, Pharex. Merci. Je sais pas comment tu fais. C'est l'insecto qui permet comme ça de vachement aisément monter sur les monstres. C'est fou. Bref, grâce à toi, la mission de sauvetage a pu se dérouler sans encombre et nous avons sauvé l'éclaireur disparu. Mais c'est incroyable! Quelque chose d'étrange est arrivé sur le chemin du retour. Juste aux abords d'une zone ravagée par la calamité, ils ont aperçu un monstre bleu dans le lointain. Puis en un instant, il avait disparu. Cette description rappelle étrangement le monstre apparu juste après la calamité. Mais je ne vois pas ce que ça veut dire. On va continuer à enquêter en attendant. Fais ce que tu fais le mieux en parlant de ça. Mais c'est quoi ce qu'on fait le mieux? Faire des choses. Tu peux désormais accepter les 4-5 étoiles. Alors va voir Minoto et demande-lui des détails. Bon, Fenrir a pris une quête. 4-5 étoiles, j'espère, bien sûr. Ah, le Ludros Royal. Monstre très intéressant. Certains de nos ingrédients spéciaux proviennent de la forêt inondée. Et maintenant, quelqu'un d'autre a décidé de s'y servir. C'est mauvais pour les affaires. Alors aide-nous. Le propriétaire du restaurant. Très bien. C'est bon, on a tout. On va quand même ranger ça. Ah merde, attendez. Alors j'avais oublié. Des monstres peuvent surgir au beau milieu de tes quêtes désormais. Fais attention, mais c'était déjà le cas, non? Si ça sent le roussi, il n'y a pas de honte à battre en retraite. Ouvre l'œil et que la chance t'accompagne. Ok. Alors, j'ai du nouveau, ça va te plaire. En bidouillant avec le centre de fusion, Kagero a découvert une nouvelle technique. Ça demande pas mal de matériaux, mais ça permet de créer des talismans très puissants. Et jeter quelques matériaux, voir ce que ça donne, c'est tentant, hein. Tu sais me trouver. Bon, alors en général, est-ce que c'est toujours de la merde? Ouais, il nous en manque encore plein. Enfin bref, pour l'instant, c'est pas intéressant. Oh, le mini combat thracien, let's go. J'y crois à mort. Oh, la chance! Deux fois de suite qu'on a des petites figurines. Je vais jouer au loto. Crash de l'eau. Très bien. On n'a rien à acheter, je crois. On a tout en stock de façon à peu près correcte. Non, attendez, il faut que je vende. Voilà, voilà. Non. Y a pas un truc pour vendre les objets inutiles? Comment on vend les objets inutiles? Ah mince, on a perdu quelqu'un. Ah, Pharex, désolé. Eh bien, des bisous si tu ne reviens pas. Ah oui, améliorer le fusil. Merci Fenrir, putain, heureusement que vous avez un cerveau et moi non. Je vais y arriver. Vendre. Pas un truc pour vendre les objets inutiles? Non, non. C'était pas triangle? Ah voilà, œuf d'or. Pardon? Vraiment? Attends, je veux pas tous les vendre, mais c'est une scène. C'est une scène la thune qu'on peut se faire.
Donc, très important, le chat, ceux qui ne connaissent pas le jeu, les amulettes de force et les amulettes de défense sont très intéressantes à avoir dans votre inventaire. J'avais pas acheté une amulette de défense. Putain, je l'ai mise dans le coffre, mais quel mongol. Donc voilà, ça vous donne des très bons bonus. Très joli Chomsky Fenrir, mais on ne dévoilera pas le monstre. Bien entendu. Alors, est-ce qu'elle est là? Voilà. Donc c'est très important d'avoir ça dans son stuff, ça permet de... voilà, d'avoir un petit boost offensif et défensif à chaque fois. Alors, on va aller à l'armurerie. Voilà. Le forgeron, pardon. J'ai du nouveau pour toi. Maître Amon a beaucoup travaillé ces derniers temps sur une nouvelle amélioration d'armes appelée Fury. Voilà, ça, on en avait déjà discuté. Il va nous refaire le blabla, même blabla que Amon. Donc, je passe, on s'en fout. On peut faire des joyaux, c'est cool. Voilà. Du coup, vous allez dans le menu fusée arbalète. Ici, et là on peut choisir entre mettre un bouclier ou mettre un canon puissant. Clairement on va partir sur un bouclier. Hein. En plus c'est mille fois plus stylé, regardez un bouclier c'est moche. Et là c'est giga stylé. Donc voilà, canon puissant. Et normalement, hein, si je ne me trompe pas, voilà, ça augmente notre attaque. Donc c'est plutôt cool. Et on va aussi lui mettre un petit talent calamité. Alors ça je vous en ai pas encore trop parlé. Oh merde, je peux pas la mettre. Bon ben, on le fera après, mais on va se mettre le bonus d'attaque 3. Il faudra faire une petite calamité, et je suis désolé le chat, ça y est, on est parti. Hop là. Oui, du coup, Kitsune, attends, je t'envoie le mot de passe aussi. Merci Salou hein, d'avoir mis l'idée. Le mot de passe, c'est 2212. Alors, je sais même plus ce qu'on est parti faire. Ah mais c'est de l'Udros. Des choses intéressantes dans ce coffre. Je sais pas à quoi elles servent les rations. Les quêtes, elles durent 5 minutes à chaque fois. Comment est-ce que vous voulez qu'on ait le temps de les utiliser? En plus, moi, j'ai Spartiate, donc j'en utilise encore moins. Et je vois que j'ai pas mangé, j'ai l'impression. On va quand même falloir faire gaffe. Hop, la petite ulti. Il faudrait que vous rapprochiez un petit peu les enfants là. Rapprochez-vous. C'est pas grave. Voilà, on a boosté tout le monde. C'est vraiment un gros avantage de des munitions démons, c'est qu'il n'y a pas besoin de vraiment mettre la munition sur la personne. Il suffit juste de viser à peu près et ça passe. Alors du coup on va essayer. En chargeant et sans charger, voir la différence. Donc là on charge. On a fait 78 et la deuxième j'ai pas chargé et on a fait 44. C'est quand même plus intéressant de charger. Putain, il est trop stylé le fusard maintenant qu'on lui a mis le canon puissant, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je le trouve super stylé. Attendez, je vais mettre un coup de main. Non, d'abord je le stun, et une fois qu'il est stun, je mets un coup de main pour trancher la queue. Quoi? D'où ça me touche? Il a relevé la tête, le petit bâtard. Quelle horreur. Ça passe ça sur la tête? Ouf. Voilà. Allez, on va taper un petit peu la queue avec des tranchants. Je crois qu'il y avait Kitsune qui voulait jouer Pharès. On va voir si il ou elle arrive à se connecter. Mais sinon, tu es le bienvenu.
Et voilà, la queue en haut. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Oh putain, on va bourrer aux grenades. Hein. Oh, il était un poil trop loin. Oh non, erreur de co. Oh, ça faisait longtemps. Attends, on a fait au moins 5 quêtes sans connexion, sans erreur de... sans bug, pardon. Je suis déçu. Là, c'est parti pour 40 minutes. Oh là, mais j'ai des gros bugs. Quel enfer. On va au moins dépecer la queue. Bon, je le bute. Et je relance le multi. Désolé, le chat. Encore une fois, ma connexion, c'est de la merde. Enfin, ma connexion est bonne, c'est ça qui est fou, c'est juste qu'elle n'est pas stable. Peut-être rediminuer un petit peu le débit. On va voir. Voilà. Ça chasse par l'ornithorynque. Bah non, Sibylle. Comment ça l'ornithorynque? Je suis perdu. Quoi? Abusé. Ah mais attendez, là du coup, on peut y aller au frag. Gaiement. Parce qu'on va faire chier personne. C'est pas ouf en vrai. Je pense que ça ferait plus de dommages. Je suis un peu déçu. Quoique en vrai, 4 x 40 ou 5 x 40, j'ai mal vu. C'est quand même honnête. Aïe, c'est la mort. Dommage, j'ai voulu gratter un peu. Bah nous, on a fini. Ah! J'arrive! Peut-être. J'arrive peut-être. Recharger mes objets. Hop. Vous êtes trop fort aussi. Moi je ne suis qu'un pauvre petit rang de chasseurs. Genre ça me touche. Je vais arrêter de faire de la merde ou comment ça se passe? Oh, j'ai cru qu'il me chargeait. C'est bon. Regardez-moi ça, j'y étais presque. C'est rare de devoir jouer en artilleur. Oui, clairement, je joue jamais en artilleur. Je suis nul à chier. Après, j'ai commencé Monster Hunter en étant artilleur. Mais normalement, je joue jamais artilleur. C'est pas trop mon kiff. Mais bon, il faut sortir de ces petites habitudes. Alors. Salut Shunde. Le Chomsky te carry. Toujours, toujours. Bon, j'ai encore rediminué un petit peu le débit. À tous les coups, ça doit être quelque chose comme ça. Avec là, ça faisait longtemps quand même que ça n'avait pas bugué. On va le remettre à allez, un petit 7500. Hop là,
Que nous dit ce cher YouTube? Ouais, franchement, on a fait une heure et demie sans bug, donc peut-être qu'on tient quelque chose, peut-être qu'on tient quelque chose. Alors, je relance le multi. J'arrive tout de suite. C'est parti. Créer un lobby. On va faire de la récolte comme d'habitude. On a un mot de passe. C'est pour tous. Mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Créer un lobby. Récolte. Mot de passe. C'est parti. On a dit... Ça va le faire, c'est mieux que la semaine... Ah non, mais la semaine dernière, c'était terrible, putain, ça buguait toutes les 20 minutes. C'était impossible de faire deux quêtes avec le même groupe. C'était un putain d'enfer. Ça donne envie de lancer le jeu. Ha ! Sacré Shundé. D'ailleurs, tu le feras un jour ou pas ? Je pense pas. Je ne sais pas. Shundé, je le connais, c'est pour ça, c'est pour ça. Pour le chat qui ne sait pas. Salut, Éclair. Sur Rai, je me débrouille bien en artillère, mais je suis meilleur au lance-canon. Ah. Le lance-canon, je t'avouerai que je ne sais pas le jouer. Je suis une grosse merde. Pas besoin de mettre le colt, ça me code. Mais je pense que si on a eu des gemmes en commun, peut-être que c'est pour ça que t'as pas besoin du code. Peut-être qu'il y a une histoire comme ça, j'en sais rien, mais peut-être que c'est pour ça. Alors on a eu besoin de l'aide de Nakago et des autres, mais on peut désormais forger de nouveaux joyaux. Tes chasses vont devenir de plus en plus dures, surtout que ton équipement est adéquat. C'est bon, on a des emplacements de... Ah ouais, on a du niveau 1. Ah mais oui, attendez. Jackie. Oui, on peut faire un... Oui, oui, très bien, on s'en fout. Donc, des vrogues. Très bien. Mais c'est que ça? C'est plutôt parce qu'on rentre l'idée. Ah oui, aussi, oui, peut-être. Pourquoi il y avait un énorme truc sur son e-bouette? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on met les... Mais ouais, c'est quoi ce truc, regardez? Ah, mais c'est qui fait la photo! Attendez, attendez. On va se mettre en place pour la photo. Putain, mais comment ça marche, ce jeu? Secours! Là. Pose de danse. Merveilleux. Oh là là, de toute beauté. À quand le mode pour mettre Wafu en musique de village? Oh, ce serait si bien. Bon, le chat, c'est parti pour les photos, là. Oh, tu m'envoieras ça. Tu m'enverras ça plutôt en MP, Salou. C'est toi qui fais la photo, je suppose. Voilà, Parex, mets-toi en position. Quelle équipe incroyable! La fine équipe. Putain, mais mon Chomsky, il est à moitié dans le salon. C'est pas grave. Merveilleux. Eh bien, bonne nuit à toi, Éclair. À quand le mode pour... Ah, mais oui, ça, je l'ai déjà dit. Mais Wafu en musique de village, ce serait trop stylé, en vrai. Allez. Putain, mais il y a tout le monde qui veut nous parler. Quel enfer! Notre arme, elle est améliorée. Est bien, qui finit bien, c'est parti. Ah mais du coup le retour de Parex. Hop là. Bah écoutez, en vrai, on prend ce que vous voulez hein, dans les 4-5 étoiles, faites-vous plaise. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? La Ratian, on l'a vu ou pas? D'ailleurs, si t'as pas vu, tu peux faire un truc marrant avec les boîtes au village. Tu peux aller taquiner le Utsushi, c'est ça? Le Bazarios, je crois qu'on l'a vu. Le Pukei, on l'a pas vu. Bichaten, Volvidon, Baros. Bon, prenez ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez, le chat. On mange un petit coup, on va aller discuter un petit peu aux villageois. C'est ça ou c'est encore autre chose? Sibyl.
À quoi penses-tu? On ne t'arrête plus à ce que j'ai entendu. Je vais pas rester là à me tourner les kunai alors que je pourrais t'apprendre des talents de substitution. Mais oui. Si tu veux de nouveaux talents de substitution, tu vas devoir relever de nouveaux défis. Mais si tu réussis, je te garantis que les monstres tomberont comme des mouches face à toi. Fais-moi confiance. Manier le marteau, la lance, la volte-hache. Ah, le fusil arbalète lourd. Ça, si on peut la faire, ça peut être cool. C'est ça, MDR. Comment vous faites la photo de groupe? Alors, il faut que tu lances, tu vois, là, en bas à droite. Il faut que tu appelles ton ibouette. Attends, je vais aller juste à côté. Tu appelles ton ibouette. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, excuse-moi. Pas du tout. Hop, tu vas dans le mode caméra. Et tu vois, en haut à droite, tu peux te mettre en vue ibouette avec L3. Et du coup, tout simplement, eh ben, tu appuies sur L3. Et là, normalement, il doit y avoir une petite ibouette qui va donc pouvoir faire des merveilleuses photos. Voilà, voilà. Du coup, c'est la Ratiane. Parfaite. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Ça ne va pas marcher comme ça non plus. Ah, Angel, bon sang, tu m'as fait peur. Je ne t'ai pas entendu arriver. Tu es Minargakuga ou quoi? J'essayais de trouver une nouvelle recette dans Dango qui serait originale. Dans le bon sens, mais je sèche. Disons que j'ai une vague idée, un truc consistant qui a du goût, tout en ayant un côté un peu crémeux. Mais c'est quand je commence à réfléchir concrètement à des ingrédients précis que je bloque. Alors Angel, est-ce que tu connaîtrais un truc consistant et crémeux qui pourrait faire l'affaire? De la boue fertile et du bouillon de monstre. Comment ça? Dango, mère nature. Bon, on verra ça. J'ai fini d'écrire ce que tu sais, tu auras de la lecture ce soir. Mais merveilleux! Merveilleux! Mets-le dans le groupe, si tu veux, Sibyl. Comme ça... La deuxième personne dont je ne dévoile pas encore le pseudo, eh bien, elle pourra aussi le relire si elle veut. On est parti? Il paraît qu'on va réussir cette quête sans bug. Ah, il y a un monstre qu'on n'a jamais vu. Pourquoi j'ai sauté? Idiot. Je t'ai envoyé la photo de groupe en MP sur Discord. Ah, attendez, je vais aller regarder ça. Je vais regarder ça. Hop, hop. Une seconde. Ne bougez pas. Surtout, gardez votre calme. Oh, attendez, après, je vais vous montrer quelque chose. Alors, j'arrive. Pas de panique. Oh, de toute beauté. Cette image est de toute beauté. Attendez, comment je fais? Oh non, erreur de communication, abusé, putain. Ça, c'est que je faisais... Je sais pas, non, je pense pas quand même. C'est pas parce que je suis allé sur Discord que ça m'a fait ça. Moi, je voulais vous montrer cette merveilleuse image. Alors, attendez, ne bougez pas. Est-ce qu'on peut la mettre en plein écran? Bon, écoutez, ce sera comme ça. Hop. Ne bougez pas. Tac. Donc là, c'est quoi? C'est... Ça va être celui-là. Voilà. Regardez-moi cette image absolument merveilleuse. Trop stylée, non? Bon, en tout cas, merci, Salou. Très belle image. Bon, quel enfer. Salut Laura. Non, non, ouais, c'est juste le mode caméra, gala. Du coup, je me reco, putain, j'en ai marre de ma connexion. C'est chiant, ça marchait bien avant. Je sais pas pourquoi... Pourquoi ça se met à bugger maintenant? Avant, c'était bien. Hop. Bon, du coup, pas de mot de passe. J'ai la flemme. Hop. Des bisous, Shunde. Des bisous. Hop, hop. On met pause.
Et on espère que ça marche. C'est fou quand même. Hein. Parce que je me souviens que quand on a fait les essais avec... comment il s'appelle, Sopi Glacos, ben, j'ai eu aucun bug de connexion. J'ai eu des crashs que j'ai résolus en mettant à jour mes drivers. Et depuis, c'est un enfer. Enfin, ça marchait bien, et puis là, non. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Tout d'abord, après une étude indépendante du centre de fusion... une étude indépendante. Je pense avoir trouvé un nouveau protocole de fusion. Il requiert une plus grande quantité de matériaux, mais il produit des talismans bien plus puissants. Je vous encourage à l'essayer. J'espère que ces additions vous aideront dans vos chasses. Donc c'était exactement ce que nous disait l'autre aussi à la guilde, non? Je crois. Ouais, bon. Clairement, on s'emmerde. Hein. Je vois rien d'intéressant là-dedans. Et là-dedans Quoique bénédiction, ça peut être intéressant quand même. Un pour tous aussi. Je crois que c'est un niveau 2, non? Par contre, il faut 5 niveaux, non mais arrêtez. Toujours plus. Nerdacier, on va lui demander. Putain, mais le jeu. J'avoue que Sibyl, c'est depuis que t'es connecté, putain. Le jeu est insupportable. Attendez, je vais regarder. Peut-être que j'ai des trucs en fond qui tournent, c'est pas possible. Je crée. Hop. Je vous le remets dans le chat. Putain, je suis vraiment désolé, hein. C'est clair que c'est toutes les 5 minutes, ça va vite me casser les couilles. Ou alors il faut que je relance la box, encore une fois. Je vais regarder, attendez. Est-ce qu'il y a des trucs qui tournent en fond? Je vais fermer tout ce qui est inutile. Tac. On va y arriver un jour, peut-être, j'espère. Ah mais si, attendez, il y a ça aussi. Steam, on va garder quand même, ça peut être utile. Ça, on va même le désactiver un peu plus longtemps. Tac. Hop là, vous avez déjà fini la quête en tout cas. Putain, vous êtes trop rapide. Hein. Vous êtes barré avant. Non, vous avez fini la quête. Vous êtes des ouf. Vas-y, on fait ça, Sibyl. Si j'ai aucun bug, c'est de ta faute. Hein. Attention. Bon, l'important, c'est qu'on ait eu une superbe photo. Devine quoi, nous avons retravaillé les recettes de nos dango. Mais ça, on l'a déjà lu. Oui, on l'a déjà lu. Abusé. Bon, je vous laisse reprendre une quête, les enfants. Faites ce que vous voulez. Bon, du coup, attendez, je voulais. Qu'est-ce que je cherchais? Je ne sais plus. Rengainage éclair, ça, il va nous le falloir en masse. On va prendre... Bon, on va prendre ça, et puis voilà. La petite Ratiane. On s'est barré, mais j'ai une plaque. Oh, le dingue! Bien joué. Bien joué à toi, le plus grand vol de l'histoire. On va avoir comme ça nos trois joyaux de rengainage éclair. Ça sera hyper utile quand on reprendra l'épée longue. Attends, j'y croyais tellement que ça allait plus bugger, j'ai trop le seum. Vous n'imaginez pas.
Ça bouge à la cantine, j'ai une grande nouvelle. De tout nouveau Dango. Non mais oui, ça c'est chiant, hein. Dans ce jeu, y a plein de dialogues en double. C'est super casse-couille, je trouve. C'est vraiment hyper dommage. Parce que c'est pas nécessaire, quoi. C'est clairement pas nécessaire. Donc, bon. Tant pis, mais ça aurait été mieux sans, quoi. Alors... Et là, lui, il joue avec son putain de Tetsukabra. Toujours pas tombé le rubis, pardon. Courage, courage, ça viendra. Attendez, on va parler à Hojo en attendant que Parek se finisse. Salut Angie, j'ai reçu une quête de la guilde. Ils font des recherches sur les Rathalos qui vivent dans la région. Il faudrait que tu en captures un. Je suis sûr que ce sera du gâteau pour toi. On aurait les Rapières du Serment et Altaïr. Très bien. Prends ton temps, Altaïr. Pas de soucis. Je dis rien, pas de jaloux ici. Ah ça, le loot. Il y a de quoi faire des jaloux dans MH. Allez les enfants, on va y aller. On dirait moi ça. C'est moi qui dis ça. Allez, c'est mardi. Il paraît que je vais pas bugger. Putain, en tout cas, c'était vraiment un plaisir hein, au début de... Attendez, faut que je vous montre un truc. Enfin, bougez pas. Allez-y, partez, partez. Je vous rejoins. Ne vous inquiétez pas. Mais attendez, on en a perdu un, là. Ah non, il est là-bas, ok. Donc... Moment incroyable. Si vous êtes tout seul chez vous, tout va bien. Si vous êtes en train de regarder ce stream avec votre chérie, bon courage. Si vous êtes chez vos parents, faites en sorte qu'ils ne rentrent pas chez vous. Donc, il y a un truc insane à faire qui est de couper la musique du jeu, de couper les effets sonores du jeu. Et là, vous voyez, on est dans le calme. On est dans le calme, voilà. Et on va partir faire la quête comme ça. Et vous allez voir que c'est un moment incroyable, absolument insane, qu'on va vivre. Je vous conseille de le faire de temps en temps. Et je pense que je vais juste me taire pendant une petite minute, on va dire, pour vous laisser apprécier ce moment de pur malaise. Le pur malaise, c'est parti, je me tais. Bon voilà, je vous ai fait découvrir cette horreur. Je vais de suite réactiver le son pour arrêter cette horreur. Voilà, j'ai découvert ça sans trop faire exprès et je me suis senti très très malaisé. C'est évidemment juste des gens qui font du sport. Bien sûr. Voilà. Quelle horreur.
Si un jour je fais le jeu, j'y jouerai que comme ça. Horrible. Oh mais non. On dirait un match de tennis. C'est un peu ça. Oh merde, j'ai eu l'aile. Est-ce que ça marche si là je tire comme ça? Ça marche. Enfin ça marche pas, non, je suis obligé de m'accroupir. Bon voilà, c'était un pur moment de malaise. Oh ça passe ça. Oh mais bordel, pourquoi est-ce que elle a bougé? La coquine. Un bon moyen de faire découvrir Monster Hunter à Mago. Je pense que c'est tout à fait adapté, hein. C'est très représentatif en plus. Non mais en vrai, pour vous dire comment j'ai découvert ça, j'avais désactivé les sons du jeu, enfin la plupart des sons du jeu, sauf du coup les voix des gens, exactement ce que je vous ai montré là à l'instant. Et voilà. Je me retrouve en multi un moment. Enfin, je rejoins une quête multi. Hop là. Et au fur et à mesure que je rejoins les gens, je commence à entendre ces bruits ultra malaisants. J'étais pas bien du tout. Sa queue est trop courte, c'est terrible. Oh, j'ai eu la tête. Non, j'ai eu le pied. Quelle grosse merde. Je me fais chourer ma ceinture par mon chien. Aïe, aïe, aïe. Ça loue bientôt tout nu. Tu pourrais répondre à mon Twitter ou pas? Bah oui, mais là, en ce moment, je suis pas sur Twitter, Noah, donc je regarderai ce soir. Chérie, je t'ai acheté un nouveau jeu, tu joues. C'est quoi? J'ai pas la ref. Salut, Adrien. Faut que j'aille dépecer la queue. Ah non, je l'ai fait, c'est bon. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu la petite plaque qui fait plaisir. Écaille de queue brûlante, dure et aussi ardente que la wyverne qu'il a portée. Le petit scaratonnerre. Les chasseurs qui prennent bien trop de plaisir, c'est ça, Fenrir. Hop là. Bon, on n'aura pas eu de rubis. C'est pas grave. J'ai l'impression qu'on a tout le temps des poudres végétales. D'ailleurs, il faudrait que je les intègre à mon set. Ce serait pas déconnant. Donc, on va changer ça. Et on va mettre à la place... Les poudres végétales, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Bon, on n'en a que 3, mais comme ça au moins. Ah merde, j'ai pas... Attendez. Voilà. Putain, mais il me manque des munitions là. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce qu'il me manque? C'est ça qui me manquait? J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Hop, set d'objets, et ça, on enregistre. Voilà, c'est bon. Et bien écoutez, encore une fois, hein, faites-vous plaisir, je vous laisse sélectionner la quête. Moi, je mange. Toujours pas eu ma plaque. Courage, salut, courage. JDG. Ah putain, pourtant, j'en ai quelques-unes, hein, des références de JDG, mais je les ai clairement pas toutes. La pub du jeu Zelda au Japon. Dans tous les épisodes de JDG, c'est incroyable ce qu'il faisait et ce qu'il fait encore d'ailleurs.
C'est absolument insane. Alors bonjour Angel, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. La guilde a été très impressionnée par tes récentes prouesses. Merveilleux, non? Mais ce n'est pas tout, ce ticket guilde. Oh mais super, on va avoir des tickets guilde maintenant. Ils te servent à... Enfin, ils peuvent servir à forger ou améliorer ton équipement. Ok. Continue comme ça, je suis sûr qu'ils te récompenseront avec d'autres tickets de guilde. Super. Alors, double boule, chasser deux volvidons. Ça permet de faire quoi, ça? Alors, marchande, malchanceuse, bon sang. Mais ça devient une habitude. Je rentrais des plaines quand j'ai commencé à entendre de drôles de bruits et c'est là que deux volvidons sont sortis de nulle part et ont renversé mon chariot. Toute ma marchandise est fiche. C'est terrible. Bon, vivement le Magna Malo qu'on puisse améliorer notre fusard. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Je ne sais plus. Améliorer l'armure, non? Joyau. Ah oui, c'était ça que je voulais faire. Petit joyau parasite, là. Ah ouais, mais attendez, c'est cher, en vrai. Des becs Kuluyaku. J'en ai qu'un. Abusé. Je vais pas faire ça. J'ai ragé avec cette quête. Ah ouais? À ce point? Mais non, vous allez me carry, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Moi, je vais rien faire de la quête et puis voilà. Ah, mais je crois qu'on y allait deux fois dans cette carte. J'ai plein d'épées à récupérer. Alors, il y en a une juste là. Hop là. Alors, elle est par là. On va se balader. Elle est là-haut? Elle doit être là-haut. Putain, mais elle est où? Ah, voilà, je suis pas fou. C'était une épée de la calamité. Oh, les sauts qu'il nous fait, lui. Le ouf. Regardez-le, il s'envole. C'est salou. Alors, il y en a une autre. Ah, mais non, attendez, il y a ça, oui. Hop. Et là, on s'envole. D'ailleurs, je réfléchissais à un passage secret. Comment ça, passage secret? Oh non, mais sérieusement, le jeu, putain, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Je récupère au moins cette épée. Ah mais non, je l'ai déjà récupéré. Quel gros mongolo. Putain, mais j'en ai marre. Pourquoi ça bug que en stream? C'est trop casse-couille. C'est vraiment giga casse-couille. Hop. Je réfléchis. À peut-être baisser un petit peu... Non, mais c'est forcément la connexion, non? Ça ne peut être que la connexion. Je réfléchis. Je vais pas encore baisser le truc. Ou alors je débranche et je rebranche vite fait la box. Est-ce qu'on a activé au moins le truc? Oui. Ce campement, on l'a activé. Mais c'est vraiment insupportable ce jeu. Hein. Je vous jure que ça bug pas avec Sopi Clacos. De toute façon, vous l'avez vu là, juste avant, ça buguait pas. Je vois pas pourquoi ça se met à bugger maintenant. Ah, il y en a en poison? Ah, bah oui, je suis bête. Produisant du gaz toxique. Ça nous atteint? Oui. Oui, ça nous atteint. Bon, je vous laisse faire les deux volvidons et puis vous me dites quand vous avez fini, ça loue. Ah, vous avez abandonné la quête. Bon, bah alors, attendez, j'arrive. Pas envie de souffrir. Bon, je réfléchis. Est-ce que je rebaisse encore la qualité du stream? Vraiment? Là, ça a plus l'air de fonctionner. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tout ça? Salut Destrudo, salut LGX. Vous avez tous les deux mis wesh. C'est pas fou ça? Tu as loupé quoi, éclair? Tu as loupé des bugs à répétition de connexion, j'en ai plein le cul. Au moins je vous ai montré.
Ah merde, je vous ai pas en ami. Au pire, Salou, peut-être essaye de faire une session, toi. Peut-être que c'est parce que je fais la session que ça bug. Je ne sais pas. Hein. On va tester. Je veux bien que tu mettes l'idée de la session que tu crées. Peut-être laisser quelqu'un être l'autre. Ouais, voilà, Fung Manitou, c'est ce que je me dis. J'ai entendu parler du rhino divin, une sorte de scarabée à l'allure très étrange. S'il existe vraiment, j'aimerais le voir de mes propres yeux. C'était pas dans World qu'il y avait ça, là, justement? S'il y a bien quelqu'un qui peut le trouver, c'est toi. Tu te sens à la hauteur? Ben non, apparemment c'est aussi dans ce jeu. Ah mais ça fait un fusard lourd. On y croit. Mais oui, faut y croire. L'autre jour, j'ai vu que Rondine vendait une variété de maïs incroyable. Un truc énorme, énorme. Je n'avais jamais vu un épi de maïs de cette taille. Je l'ai acheté, il était délicieux. Je voulais donner des pousses de bambou à Rondine pour la remercier, mais malheureusement, je n'en ai plus. Je crois que tu pourrais m'en trouver. Code 2022, mais oui. Attends, j'affiche ton message. Alors, trouvé par lobby. Hop. Est-ce que j'ai une technique pour RC rapide? Je crois que les quêtes calamité, ça marche bien. Mais je suis pas sûr. L'idée, attends, l'idée, si tu veux, je le remets à Pharex. Merde, attends. Hop. Ah oui, c'est bon, tu l'as vu. Oui, bah oui, en même temps, c'est le message juste au-dessus, pas de soucis. Bon, on verra si ça bug pas. J'espère, je suis plein d'espoir. Est-ce qu'on va réussir à faire fonctionner ce jeu? Oula! Pem, 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 pem. Alors le moment est venu, mais de quoi parle-t-il? Bonjour Angile, bonne nouvelle, les Mia Oursonnaires ont fait un pas de géant, ils peuvent désormais être envoyés dans les régions des quêtes experts où se trouvent les monstres dangereux. J'ai totalement je ne sais pas quoi. I'm the captain. Lorsque tu chasses un monstre et que tu es proche de lui, as-tu l'impression que la caméra remonte et cadre vers le haut? Non, j'ai pas trop cette impression, gars-là. Ouais, donc on est d'accord, hein, Salou, les quêtes calamités, ça marche bien. Bon. Voilà, mais c'est quoi ces musiques? On va désactiver ça. Sinon on va se retrouver à spoiler le jeu. Quelle affaire. Attends. Où est-ce que c'est déjà ça? Musique, ma musique. On les mettra une fois qu'on aura fini le jeu. Même si, bon, c'est vrai que... éviter le spoil sur Monster Hunter Rise, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, sachant que le jeu est déjà sorti sur Switch il y a 9 mois? Bon, je sais pas, en vrai. Au moins pour préserver ceux qui ne se sont pas spoilés. Mais oui, c'est une magnifique musique, Salou, je suis bien d'accord. Ah mais attendez, vous faites des photos? Oh, il est tout mignon. Attendez. Alors je sais pas trop ce que je vais montrer moi avec mon fusard, mais bon, c'est pas grave. Mais non, mais ça c'est les poses de danse, idiot bête. Ouais, celle-là. Celle-là elle est moche. Bah ce sera celle-là, hein. Que voulez-vous? Ça va, honnête. Elle est pas mal. Vous m'enverrez la photo sur Discord, évidemment. Et l'autre, là, qui passe. Trop marrant. Faut pas venir chez moi, j'ai cette musique partout. Ah! D'accord, ok. Bon allez, c'est parti!
Oh, regardez, on a plus personne à qui parler. On a parlé à tout le monde. Insane. Merde, c'était... qui prend la quête, les enfants? Attends, je vais prendre la quête. Non, je vous laisse prendre la quête, je vous laisse prendre la quête, je vous laisse prendre la quête. J'aime pas prendre les quêtes. Le loup solitaire malchanceux, le chasseur avec glaive, ça colle. Ça colle, Parex, ça colle. C'est reparti pour le double Volvidon. Il faut y croire. Déjà, on n'a pas de crash. On n'a plus de crash du jeu. Ah merde, j'ai pas mangé. Attendez-moi. Hop là. Retour de la boule. Courage, Salou, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je le montrerai, je pense que je le montrerai pas, Salou, mais merci de me l'avoir envoyé en MP. Je le montrerai peut-être au prochain stream, du coup. Parce que comme la dernière fois, ça m'a déco, je me dis que bon, on va rester sur le jeu, là. Et puis voilà. Je vais pas toucher le sol de toute la game. Let's go! Let's go, let's go, let's go. Je sais pas ce que je me ferai comme armure après. Je sais pas. D'ailleurs, stream ce week-end, je vous fais un autre petit stream. Je sais pas si on... Est-ce qu'on pourrait finir le jeu ce week-end? Je sais pas si c'est possible, si c'est envisageable. On va regarder où va Parex. Il regarde l'horizon. Le Barrios? Comment ça, le Barrios? J'ai raté le philoptère. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il a, le Barrios? Ah oui, oui, ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce qu'il a dit. C'est bon. Merci beaucoup. Let's go, j'arrive. On va sur celui en zone 8. Je passe, là? Oui, c'est bon, je passe. Ah, c'est horrible à manier, hein, Barros. C'est démoniaque. Re, Sibyl. Ça a pas bugué sans toi. Non, si, en vrai, ça a bugué. Voilà, je suis une merde. Mais ça suffit, oui. Oui, d'accord. Chouchou. Chouchou, poussez-vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord on booste les copains. Allez, c'est bon, on a boosté tout le monde. On met des petites munitions explosives dans la tête. Ça va faire des petits stuns. Il faut être stun là par contre.
qui lui a mis Fenrir. Bien joué. Putain, on est un poil loin là quand même. En plus, il est déjà stun. On est encore trop loin. C'est refusard. Maintenant, vous voyez sur le réticule hein, que je vais vous montrer. Là, vous voyez quand on est juste jaune. Bon, là, on est hors de portée. Alors, est-ce qu'on va récupérer la portée? Non, ça ne veut pas. Je peux pas monter. Parce que j'ai mon arme chargée, c'est abusé. Voilà, faire les choses bien. Une épaisse carapace de Volvidon, très élastique et difficile à travailler. Donc, là, je suis à portée, vous voyez, avec le cercle jaune. Et parfois, il passe à moitié orange, le cercle. Et donc là, c'est quand je suis à la distance optimale. Et du coup, ça permet de faire plus de dommages. Je vais vous montrer tout de suite, vous voyez. Là, on a fait du 6, du 7, mais bon, si on se met sur le point faible, laissez-moi sortir. Il dort. Il dort. Bien joué, personne n'a tapé. J'ai évidemment des bombes. Flash, ça marche? Allez, ça marche. Je sais même pas si ça peut le réveiller. Je pense pas, quand même. Le jeu est bien fait. Griff Volvidon, je l'ai pas lu. Un riche brouette à base de fluide épais extrait de monstres. Ça va. J'ai l'impression que tous les monstres dans ce jeu, ils sont tout petits et du coup c'est un peu compliqué d'en faire quelque chose, ce tir là, à la fusée arbalète. Bonne soirée à toi, Sibyl. Oui, d'accord, il est déjà mort. Tiens, prends-toi ça pour la fin. J'ai toujours pas amélioré ton fusard. Non, j'aime bien faire un stream, une arme, un set, une armure. J'aime bien. Voilà, c'est tout. Ah, mais on l'a capturé, j'avais pas vu. Idiot bête. Je comprenais pas pourquoi je pouvais pas le dépecer. Vous êtes trop fort. Ça, c'est vraiment une partie de la map que je ne connais pas du tout bien. Et je sais pas du tout par où vous êtes passé pour le rejoindre aussi vite que ça. Ah, mais c'était là. Vous vous souvenez, dans MH3U, c'est là où on récupère les œufs d'herbivores. C'est abusé. Alors, où est-ce que vous êtes? Au-dessus. Ah! Comment je remonte? Ça va être par là. Le trou qu'a emprunté Salou. Ah. Putain, c'est pas le bon. C'est parti. Voilà. Je me suis fait mettre à terre par mes mates. C'est terrible ça. Il est tout petit. Est-ce qu'il est bien Monster Hunter Story 2? Putain, mais il est génial. Allez, c'est parti pour la déconnexion. Putain, j'en ai marre de cette connexion. Enfin, c'est pas cette connexion. Enfin, je sais pas si ça vient vraiment de la connexion, du PC, du jeu. Je pense que c'est du stream, en fait. Bon. Puis c'est con, vu que du coup, je vais devoir me le farcir tout seul. J'ai voulu faire l'ulti. Merci mon toutou. Mais ouais, clairement, Stories 2, excellent jeu. Excellent jeu, excellent jeu. Allez, la troisième. Ça passe. Oh, impeccable. Tout ça, moi, je pense que c'est de la faute de Sibyl. Hein. Soyons honnêtes. On prend nos meilleures munitions. Je pense que les tranchantes, ce sont mes meilleures munitions. De toute façon, elle fait quasiment 90. À partir de là,
fait 89 pour être très précis. En soi, je pense que c'est les meilleurs. Hein. Avec ça, ça fait 75. Quoi? D'où ça me touche? Le jeu a des micro-freezes. À tout moment, ça plante. Hein. Quel bonheur. Charger la... Voilà, l'ulti. Hop là, bouge pas toi. Ah, c'est vrai qu'il était un peu loin quand même. On a fini les deux horreurs. Je tente de faire mon maximum. C'est pas gagné. Faudrait que j'ai un katana de ce coup. Putain mais quelle grosse merde. Oh mon Chomsky, vas-y. Ça n'a pas marché. Bah alors mon toutou. Voilà. Je commence à avoir les réflexes. C'est pas mal ça. On va essayer d'aller choper... Non, attendez, j'en ai 3. On va en profiter. On va juste le mettre dans un mur 3 fois. Hop là. Ah, attendez. Hop là. Bon, je suis sûr que vous voulez tuer, mais au final, j'ai pas non plus 15 minutes de différence. Enfin, je mets pas 15 minutes de plus que vous, donc... Donc ça va, je suis assez content, on va dire. Je m'en tire pas trop mal. C'est honorable, on va dire. Je suis arrivé sur Freedom Unite et j'ai galéré au bas niveau. Ah ouais, je me souviens pas qu'il était difficile, Freedom Unite, au début, si. Je sais plus du tout. Ça fait tellement longtemps que j'y ai pas joué à Freedom Unite. Salut Ilex. Ah bah tiens, moi aussi une gemme bestiale, tu vois, salut. Pour les micro-freezes, Angie, je crois le Nexus. Ah ouais? Je regarderai. Mais le truc, c'est qu'en fait... Je peux pas... Je vais essayer de te rejoindre. Ah non mais là ça frise de ouf. Du coup qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ah mais là encore une fois. Ah bah oui c'est bon, on peut faire ça. Tu as quelque chose pour moi? Waouh! Ça pourrait être consistant et crémeux, tu as tiré le gros lot!
ça en est presque gluant en fait. Mais ça va se crème. Bon, alors si ça pourrait... Oh, mais oui, c'est clair. Ça y est, je sais quoi faire, je vais en préparer immédiatement et les mettre directement en vente. Merci mille fois, Angie, je t'adore. Les dongos, mère nature, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, quelle heure il est? Ah, mais il est 22h15. Hop. Qu'est-ce qui me manque? Ah, mais j'ai plus de pièges. Faisons des pièges. Ah, j'ai plus, putain, j'ai plus de foudre insecte. Oups. Mais du coup, c'est des... C'est des pièges à faux ce que je... Mais ouais, j'en ai plein des filets. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Note pour plus tard, ne pas trop utiliser les... les trucs là. Les pièges à choc. Vaut mieux utiliser les fausses piégées. C'était mon premier jeu vidéo, donc c'était chaud. Ah ouais, premier jeu vidéo, tu fais Monster Hunter Unite. Freedom Unite. Effectivement, ça a dû être chaud. Bon, je regarderai un petit peu les mods pour voir si, si je peux effectivement corriger ça. J'ai pas envie en fait de relancer mon ordi maintenant parce que ça veut dire relancer le stream, ça veut dire qu'il y aura deux VOD. Pff, c'est un peu chiant quand même. Donc j'ai pas très envie de faire ça. Mais si c'est la seule solution, malheureusement... Enfin, je sais même pas si c'est une solution, en fait. Mais je sais que j'ai ce problème, pour faire les rendus vidéo récemment. Je suis obligé de redémarrer mon PC. Et si jamais je l'utilise genre plus de, je sais pas, une heure ou une demi-heure, hein, ou que je lance des applications que j'ai pas encore identifiées... Ah, une petite fortunette. Je te la laisse, Salou. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle est là. Elle est toute belle. Elle a disparu. Bref, je sais que j'ai ce bug-là, ouais, que mon PC... Enfin, je peux pas faire des rendus n'importe quand. Je suis obligé de redémarrer mon ordi. J'ai pas fait l'ulti. Le mode slow-mo pour la killcam est propre. Ouais, j'ai vu ça aussi. J'attends honnêtement d'avoir fini le jeu pour installer tout un tas de mods. C'est ce que je m'étais dit. J'attends que tout le monde soit prêt. Coller pour pouvoir mettre un petit coup de... Voilà. Un petit coup de munitions démon. Mais il est sérieux? Il se cache complètement de moi. Et pareil que s'il... qui ramène je vais arriver à un Baros. Oh, le pauvre. Attendez. Le pauvre Bazarios qui prend trop cher. Sinon, lui, ce qui doit bien marcher, c'est les perforantes, non? Bon, okay. On va le stun une fois. Et ensuite, on s'en occupe. Ah, mais non, mais il allait montrer sa petite boubouille! Voilà, bien joué ça. Bon, attendez, je le mets là. On se repositionne. Il dort? Il dort. Ah là là, Parex qui ne s'est pas arrêté. Ouais, je pense que les perforantes, pardon, ça marche très bien. On va juste essayer de le stun au moins une fois. Non mais je l'ai vu en plus son cri.
j'ai cru qu'il criait, mais je suis vraiment la pire des merdes. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai claqué mes deux phylloptères pour ça. Alors, une carapace de Basarios contient beaucoup de minerais. Très bien. Carapace solide d'un Basarios, toujours fine, mais encore plus robuste. Comment ça, fine? Le plexus, il est fin. Alors, attendez. Là, je pense que si on passe au-dessus, il doit y avoir une ouverture pour passer. Parce que je vois que tout le monde est déjà en dessous. Voilà. On arrive et on se fait attaquer direct. Du coup, j'ai plus l'ulti pour le faire. Oh! Le sniper. Et après, je fais de la merde comme ça. Oula. Oh, le dingo. Mais il va se soigner, oui. Salut Super Light. Ah, je vois. Bonne soirée à toi. Salut CC. Merde, je fais de la merde, je lis le chat. Je rêve ou je l'ai pas encore stun? Il va trop vite. Voilà, enfin. 53, c'était de la merde. J'ai raté son point faible en même temps. Donc ça s'explique. Franchement, quand on le prend bien dans le sens de la longueur, c'est honnête, hein, les dégâts qu'on fait. Enfin, j'en sais rien, ouais. J'ai l'impression que c'est pas trop mal. Ah, mais attendez, il boite, là. On va pouvoir le tuer. Pauvre petit. Voilà un petit 126. Voilà, bien joué. Alors de mémoire, il y a une épée là-haut. On va aller voir. Attends, tu dois mettre ta Switch collée au plafond pour capter la box de tes proprios. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah oui, d'accord, non, j'ai compris. C'est que tu utilises la box de tes proprios. J'avais ça aussi un moment. Moi, c'était horrible. Bah, c'était pendant le confinement de l'an dernier. En gros, la box était effectivement au proprio, mais c'était le voisin du dessous qui l'avait. Et du coup, j'étais obligé de mettre mon téléphone en filaire, enfin mon téléphone était relié au PC en USB, mon téléphone faisait le relais USB pour donner de la connexion Wi-Fi à mon PC fixe qui n'avait pas de carte Wi-Fi, sachant que j'avais pas non plus de clé Wi-Fi.
Du coup, j'utilisais un téléphone de rechange en point relais. C'était un putain d'enfer. C'était un enfer. Genre, uploader un épisode du Let's Play de 4 Ultimate, ça m'a été une plombe. C'était horrible. Alors, toutes les fusions sont terminées et le coffre de l'Argosy est plein. Fort bien. Ah oui, attendez, c'est de la merde. On a demandé 3 fois rengainage éclair, j'en ai eu un. Allez, ça dégage. J'avais oublié que c'était de la merde. Sur Rai, c'est devenu une giga victime. Mais non. Mais non. On peut toujours pas l'améliorer, lui. Hein. Non. Il faut qu'on augmente encore un petit peu nos rangs de chasseurs. Je vous laisse prendre encore une quête. Et puis, de toute façon, je pense que j'aurai mon urgente après. Ou juste après, peut-être. On verra. En fonction de ce que vous avez pris. Manier le fusil arbalète lourd. Oh là, Volvidon et Bazarius, carrément. En arène. Oh là là. Vous me faites faire des trucs de ouf. J'ai presque envie de le faire au Katanoob. Est-ce que j'ai un bon Katanoob pour changer un peu les idées et avoir un gameplay un peu dynamique. Salut Salou, du coup, merci d'être passé. Merci pour les games. Et à la prochaine, j'espère. Bon, j'ai aucun bon katana à me faire. Bon, à la limite, je pourrais faire ça, mais bon, c'est quand même pas dingo. Hein. Ah si, je peux faire le... Attendez, l'épée calamité. Ah non, non, c'est de la merde. Ok, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. De rien de m'avoir carré, c'est ça. Merci, merci beaucoup. Putain, mais à chaque fois, j'ai tous les dango. Enfin, tous les talons dango. Attends, je vais juste chercher le lien de la room par ex pour le remettre dans le chat. Si jamais quelqu'un veut venir. Après, à tout moment, je bug. Hein. Hop là, c'est bon. Hop, si vous voulez rejoindre, voilà le lien de la room. Surtout que tu jouais Katana sur Switch. Ah ouais, non, mais j'ai fait tout le scénario au village à la longue épée. Hein. Mais là, pour le multi, j'avais envie de changer un petit peu. On n'a jamais fait de Katarène. Ravenous monsters, their eyes shining bright. Courageous hunters looking for a fight. This is where they clash, their spirits alight. C'est parti, on va casser des culs. Alors ça, très important pardon, de prendre ça. J'aime trop la musique aussi dans ces quêtes. On commence par quoi ? Moi, je commence par vous booster et puis ensuite on verra. Oh, ça l'a pas boosté. C'est de la merde. Attendez, foutez-moi la paix. J'ai pas rechargé mes objets. Je suis un connard. On peut rejoindre depuis une Switch. Non, je crois pas. LGX. Mais quel relou, j'ai pas la vie sur sa tête. C'est compliqué de viser quelque chose. Hein, mais... C'est vraiment terrible à chaque fois qu'il la rate, j'ai honte pour lui. Mais j'ai plus de munitions. Mais moi ouais, j'en ai plus.
Attends. Vite. Oh mais cette musique est tellement stylée. Ça il me le faut. On retourne ici. Je sais pas si... Je viens de me rendre compte que ça ressemble vachement à la scène de Sekiro. Je sais pas si vous voyez celle où on combat Genshiro ou je sais plus quoi. Mais très sympa. Attendez, c'est quoi? C'est des munitions 3 que je n'ai plus. J'arrive, hein, j'arrive vite. Anti-blindage 3. Putain, mais j'en consomme à fond des munitions, c'est ouf. Bonne soirée à toi, GX. Merci d'être passé. Et j'ai pas pris... je me suis pas rechargé en anti-blindage 3. Quel connard! J'en ai marre de vouloir stun l'autre, là. Je fais n'importe quoi, au secours! Tu veux pas m'aider, toi? Allô? Mon toutou? Il en a rien à foutre! Bon, clairement, c'est l'enfer. Oh, le petit salaud. Le pauvre Volvidon qui a rien demandé. J'aime bien les quêtes comme ça où faut gérer plusieurs monstres en même temps. Ah mais oui, évidemment, j'avais oublié que la deuxième on la prenait. Il dort? Oh, c'est dommage ça, fallait le laisser dormir. Je pense qu'il y aura un vocal en vrai sur Switch Gala mais dans Sunbreak. Enfin à mon avis. J'en sais rien mais... Je le verrais bien faire ça. Mais j'ai voulu faire l'ulti, ça n'a pas marché. Oh la vache, j'ai eu si chaud. J'ai cru qu'il l'a raté. Allez tiens, prends-toi ça. Putain, les petits objets là. Bonne soirée à toi, enfin bonne nuit plutôt Gala. Et bon courage pour le taf. Il y a plein d'objets. Faut vraiment que je pense à reprendre des bombes. Oh merde, j'ai raté. J'ai dû gratter un petit coup. Ah mais attendez, il m'a fait des dégâts. Hein. Je pensais que c'était une charge pour le Volvidon. Hein. Je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu, mais j'ai voulu mettre mon ulti.
Laissez-moi passer. Est-ce qu'il y a un timing particulier pour ce coup au fusard? Je ne sais pas. Oui, c'est ça, Mei, on affronte trois fois Genshiro. Début, milieu et un à la fin, je crois. Et du coup, c'est le milieu, milieu et fin, où on se retrouve dans une scène à peu près comme ça. On peut le capturer, là? Je vois pas sur la carte. Non, pas encore. Putain, un cheveu. Un cheveu! Je viens de commencer le jeu. Alors, pas vraiment. J'ai déjà fait le jeu une fois sur Switch. J'ai plus ou moins refait une grosse partie du jeu pour le test. Non, faut pas que je fasse ça. Je comptais mettre l'ulti, mais elle est pas encore prête. Et du coup, là, je le refais enfin en stream. Parce que l'objectif est d'avoir un let's play de quasiment tous les jeux sur la chaîne. Les capturables? Non, toujours pas. Alors là, c'est bon, par contre. Je sais pas si vous voulez les capturer. Moi, je m'en fiche. J'ai des pièges. Hein. Si vous voulez les capturer, n'hésitez pas à me le dire. Il meurt sur mon coup là. Je crois qu'il m'a fait plus mal que je ne lui ai fait du mal. Je préférais jouer safe. Pas de MH12? Comment ça, pas de MH12? Oula, j'ai failli lui foncer dedans. Et ben voilà, bien joué! Bien joué les enfants! Du coup, c'est quoi cette affaire, cette histoire de MH12? Je pense que je le ferai, hein, MH12 un jour. Une larme Bazarios, une gemme rosée trouvée près des glandes lacrymales d'un Bazarios. Ah, mais du coup, est-ce que c'est ça? Mais attendez, c'est giga rare! Rareté 7! C'est un composant rare? Est-ce que j'ai eu un composant rare, giga rare, genre 2 rubis à la suite là? Ou pas du tout? Et je me fourvoie. Voilà, juste avant la fin de Dango Booster. Bref, du coup, est-ce que c'est... ça explique pourquoi est-ce qu'il y a un Bazarios rubis? Je ne sais pas. Peut-être, allez savoir. Moi je le sais pas, hein. Je connais pas du tout le lore autour du Bazarios et du Bazarios Ruby et des Gravios et Gravios Noirs. Je les connais très très peu. C'est des monstres que j'espère apprendre à connaître avec Monster Hunter Sunbreak, parce que j'espère bien qu'il y aura le Gravios dedans. À un moment, faut arrêter de déconner, il faut mettre les monstres qui devraient y être. N'est-ce pas Capcom? J'espère bien qu'ils vont le faire. Hop. En tout cas, ça n'a pas bugué. Mais bonsoir, Breezine. Bonsoir, bonsoir. Donc c'était bien des objets super rares que j'ai eu. Putain, la chatte. Comme dirait... Attends, c'était qui le joueur de tennis qui avait hurlé « La chatte, la chatte !» Ah putain, j'ai plus son nom. Vous me le direz dans le chat. Je n'en doute pas. Alors terminé. Ah oui, c'est vrai qu'on a tout ça là. Oh, ça fait tellement longtemps que je les ai pas fait ces trucs là. Du miel, des bidulons, une élimination, fort inondé. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Va des rétro, Pukei Pukei.
Donc ça c'est bon. On a déjà mangé. Benoît Père, voilà, merci. Blizzin, j'étais sur un Julien, mais non, c'était pas du tout un Julien. C'était un Benoît Père. Alors, je vous remets un petit peu le code de la session si jamais vous voulez rejoindre, pardon. Oh, excuse-moi, j'ai pas mis que j'étais ready. Mongolo! Voilà, c'est bon. Je vais me servir un petit verre, moi. Je reviens le chat. Vous pouvez lancer, vous inquiétez pas. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Vite! Mais vite! C'est parti. Pourquoi à chaque fois je saute? Ça n'a aucun sens ce que je fais. Oh, vite, on va avoir le boost défensif, vite! Abusé, on l'a raté. Abusé, on l'a raté. En fait, c'est vachement cool d'avoir un mec à l'insecto parce que au début, du coup, il nous ramène toujours un petit monstre comme ça pour faire faire des bons dégâts dès l'intro. Ouh, petite esquive là. En fait, depuis tout à l'heure, je devrais jouer au normal vu que j'ai un bonus de dégâts dessus. Regardez-moi ça, un petit 94. Allez hop. Et le voilà, le Parex. Avec Saratian. Ça me fait un peu penser à Hojo. Vous savez qui... On nous dit au début du jeu qu'il jouait... Enfin, il chassait toujours avec son Tetsukamra là. Il s'appelle Tetsi d'ailleurs. Hop là, le petit soutien. Attendez, j'ai un truc à gérer dans le chat, encore une fois. Hop là, ça devrait être bon. Non, ce n'est pas bon. Allo YouTube? C'est... Hop là, on est de retour. Ah, il va dormir? Il ne dort pas encore. Mais attendez, faut qu'on tape... On tape la queue là pour lui couper la petite queue au petit pouquet pouquet. Oh, je l'ai raté. Honteux. Oula, c'était tout juste. Ah, j'ai pas pu faire l'ulti derrière. Des modos pour ça. Non, malheureusement, Breezin, Sopic Lacos n'est pas là. Donc, voilà. Je m'en occupe. C'est pas un problème. C'est vrai qu'il faudrait que je mette des modos. Il faudrait que j'en mette plus. Légèreté et robustesse, bon potentiel, camouflage, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Putain, mais sa queue, elle est toute petite, c'est un enfer à viser au fusard.
La surface de cette carapace est incroyablement dure. Parfaite pour les armures. Hop là. Au moins 2-3 modos. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut que je le fasse. Plus que je vois qui est-ce qui est souvent là, qui est-ce qui est de confiance. Mais oui, il faut que je le fasse. Oh! Pour une fois, c'est moi qui suis dessus. Insane. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce petit pouquet? On va le foutre dans le mur. Hein. Zébardé. Et je vous le mets à gauche, à droite. J'en sais rien. Devant vous. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il n'y a plus de queue. Bien joué. C'est pas comme si ça fait 5 minutes que je spam les tranchantes. Allez, on va essayer de stun. Compliqué à voir sa tête aussi. Il est vraiment tout petit, j'ai l'impression. Ah yes. Petit 231 là. Mais idiot bête. Est-ce que ça explose si je tire une munition démoniaque? Enfin, du démon. La réponse dans une seconde. Attendez, alignez-vous les enfants! Ils sont pas alignés, comment je fais pour les booster, moi? Ben voilà, GG. Pensez à dépecer la queue. Hop là. Ouvre les candidatures avec CV demandé pour recruter les modos. Let's go, CV, lettre de motive, qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Carte d'identité, photo recto verso, ouais. Avis d'imposition. Preuve de domicile. Y'a quoi d'autre qui est chiant? Avis des parents. Si vous avez 90 ans et que vous êtes sur ce stream, par contre, ça va être compliqué, malheureusement, je pense. Coordonnées bancaires, évidemment. Évidemment, les coordonnées bancaires. Carte vitale, passe vaccinal. Oh, le petit passe vaccinal. Les quittances de loyer. Le dernier bulletin de notes. Ah mais il est modéré pardon, automatiquement ton message breathing, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Le rib, le petit rib. Ok. Alors attendez, du coup j'ai... La nouvelle quête urgente. Tiens, te voilà, Angel, te revoilà. Une nouvelle quête urgente vient d'arriver pour toi. Un Mizutsune est en train de ravager le temple oublié. Élimine-le, il n'a jamais causé de problème. Alors nous l'avons toujours laissé tranquille, mais il est soudainement devenu enragé. Va savoir ce qui lui est passé par la tête. Pendant que la guilde essaye d'en apprendre plus, je compte sur toi pour t'occuper du monstre en priorité. Bien sûr. J'ai de bonnes nouvelles. Oui, ok, très bien. Ça, c'est le petit ticket de la guilde. On se fait la petite... on se fait la petite quête urgente. Si c'est ça, moi, je postulerai pas, hein, trop chiant. Ah, mais non, mais...
Non, mais c'est bon. Et le salaire par an, ça c'est capital, AGX. Très important, le salaire. Une quête urgente vient d'arriver, ta cime n'est autre qu'un Mizutsune au sein du temple oublié. Ne te laisse pas duper par son panache et sa beauté. Il se faufile à toute vitesse grâce à la mousse qu'il produit et s'en sert pour attaquer. Et vous le savez, évidemment, vous avez regardé... Vous avez regardé le making-of. J'espère bien. Ils sont d'ordinaire pacifiques, mais celui-ci est soudainement devenu violent. Je me demande pourquoi. Eh bien, bonne chance. Sur ces bonnes paroles, bon courage. Merci beaucoup. Oui, ok, bon. Nous essaierons d'en savoir plus pendant que tu t'occupes de lui. Vous voyez, ça, c'est clairement le problème que j'ai avec, MH Rise. C'est qu'on n'est pas acteur du scénar. Vous voyez, le scénar se passe tout le temps à côté, en fait. C'est pas comme, comme World, où vraiment... dans World... D'ailleurs, attendez, on avait débloqué un talent de substitution, non? Tir spécialisé, pardon, qui varie en fonction de l'arme. Le nombre de munitions est géré. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on a. Ou guérisseur. Non, c'est... Ah oui, contre-tir ou contre-charge. Donc le délai sera réduit. Ah, ça réduit le tir chargé. C'est bien ou c'est de la merde? Dites-moi tout, le chat. Ça vaut le coup ou pas? Ah, ça ne coûte qu'un seul philoptère, par contre. Bon, je reviens, car j'ai rien à faire. Eh bien, re, salaud, mais ne viens pas, car... Mais pas de soucis, pas de soucis. Bonne soirée, Wilfried. Bonne chasse à toi aussi. On va tester, non? Je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. Ah, mais non, attendez. Je vais même pas manger. Et les gens ne sont même pas prêts. Aucune idée, je joue parti. D'ailleurs, je vais juste améliorer un poil mon armure. Ah oui, ça va être long quand même. Ah mais attendez, on peut faire ça. Ah mais au secours, arrêtez. Sphère d'armure plus. Oh, pour 2 points de défense. Oh non, sérieusement, le jeu! J'arrive, ne bougez pas. Je me reco. Mais... Au secours! Yes, il est encore dans mon... Dans mon... Merde, dans mon presse-papier, c'est ça? Ah bah on a perdu Pharex. On a toujours Fenrir. L'irréductible Fenrir. Le petit Mizu. Voilà. Tu reveux le code Pharex peut-être? Je sais pas si tu t'es déco ou pas. Ça me rappelle Tri, tu te fais porter par un... Car un mob fait des cachotteries. C'est quoi cette affaire? Je me souviens pas. Web, je sais pas pourquoi. Ah non, t'attends, t'as mis des messages dans le chat. Comment on le voit le chat? Menu chat, non. Historique de chat, c'est où l'historique de chat? Aïe 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 aïe. Attendez. Non. Comment est-ce qu'on a le truc? C'est incroyable ça. Journal, voilà. Ah oui, quand même. Ok, je ne sais pas. J'ai joué une fois Arty et j'ai perdu. Aïe 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 aïe. Menu chat puis carré, ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Merci Fenrir. J'ai mangé, j'ai mes objets. Oui j'ai mes objets. D'ailleurs attendez, est-ce que j'en ai encore assez? 259, ok. 195, ok. Dommage qu'on n'ait pas des cinématiques comme dans MH4 quand même. Mais... Pff.
Vraiment, je comprends pas ce qu'ils ont foutu la team B, honnêtement. Hein. Je comprends pas. Tu as retrouvé le patch pour l'avertissement en fin de stream. Ah, merci, Funcake. Ouais, je veux bien que tu me l'envoies sur Discord si c'est possible. Désolé pour le signal. Il te manque juste une costale. Mais ça me saoule cette histoire de connexion. Ce qui est énervant, c'est que je sais que c'est dû à la... Enfin, c'est dû au stream, en fait. La question, c'est est-ce que j'en demande trop au stream? Je sais pas. Je pense que pour les prochains, je vais essayer de streamer en 1080p. Donc ça va être juste... J'ai pas réussi à placer mon ulti. Pardon. Ah oui, du coup là on charge plus vite. Ah oui, c'est vraiment giga rapide. Ah, j'étais pas prêt. Superbe whiff. Aïe aïe, aïe aïe aïe. Il tape fort quand même. Bon, après, je suis au fusard. Forcément, en tant qu'artilleur. Putain, mais je mets tout à côté! Forcément, en tant que fusard, on prend beaucoup plus cher. Ah oui, d'accord, stun comme ça. Boost au copain. Il dort. Ah, ils l'ont réveillé. J'ai toujours pas pris de bombe d'ailleurs. En un stream complet, j'ai toujours pas retenu que. Enfin, j'ai toujours pas changé mes sets pour avoir des fucking bombes. Mais non! Yes, il est stun. On essaie de lui couper un peu la queue. On l'a stun deux fois là déjà. Oh dommage, pour une fois qu'il m'attaquait. J'aurais pu faire mon ulti. Voilà. Ah, c'est cool ça, si on peut utiliser les... Pouf. Je l'ai vu venir au dernier moment, celle-là. Putain, c'est ouf la vitesse à laquelle on charge les munitions. Ok, je pense avoir compris quelque chose. Hein. Pas du tout. J'ai très mal lu cette attaque, mais en vrai, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout le fait de pouvoir faire ça. Charger plus vite, j'aime bien. Voilà. Ça permet en plus de... Enfin, on peut le choper sur pas mal d'attaques, c'est plutôt nice. Alors là, par contre, c'est la merde. C'est... Du coup, je peux avoir un débit bien plus important, en fait. De façon plutôt constante. Il est trop loin. On va se remettre un peu à taper la queue, parce qu'on tape que la tête depuis tout à l'heure. Que j'arrive à refaire des tranchantes. C'est quoi le raccourci pour faire des tranchantes? On va virer ça, attendez ça, on va le virer, on va virer ça. Donc là, ça coche tranchante. Hop.
artisanat tranchante. Le jeu, elles sont là. Tout. Et donc là, hop là, nous revoilà avec moult munitions tranchantes. Attendez, j'ai besoin de ces... Merde, je vais rester en haut. De ces petits... c'est quoi, c'est des spectres insectes, je crois que ça s'appelle. Les balles, elles vont plus vite que dans MH World. Possible, honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Pour le coup, c'est une bonne question, tu vois. Merde, j'ai perdu le contrôle. C'est bon, j'y suis. Ne vous inquiétez pas. C'est le gameplay de professionnel. Ah ouais, ça va vraiment beaucoup plus vite quand on a le boost. Hein. Voilà. Putain, avec la petite déviation, ça permet de d'avoir des petits angles un petit peu douteux. Pouvoir lui mettre dans la tête. C'est plutôt nice en vrai. Merde. Ah merde. Hop, on est trop loin. On me défonce bien quand même. Hein. J'ai voulu prendre le boost. Je suis arrivé trop tard. On a été tous les deux à mettre un contre. Incroyable. Oh non. Oh quelle grosse merde. Je peux plus en faire ? Je peux plus en faire. Il dort ! Il fait dodo ! Je vais mettre mes bombes. Putain, j'ai toujours pas de bombes. Quelle grosse merde ! Rappelez-moi de le faire et si je le fais pas, suicidez-moi. Par contre, vraiment, vous vous barrez là ? Vous avez pas peur qu'il se réveille ? 100% il se réveille, hein. Avant que vous reveniez. Ah non. Un peu loin ça. Ça passe. Je suis désolé par Rex. Et Fenrir du coup. Un petit emote là en mode oups. Alors la queue, la queue, la queue, la queue. Que de Mizutsune prisé pour sa fourrure souple et ses jolies écailles. C'est vrai que c'est un monstre qui est quand même très apprécié de la communauté, le Mizutsune. Moi je le connaissais pas du tout avant Rise. Je vous rappelle, je n'ai pas fait Génération. Aïe. On s'est croisé dans les airs. Sans les yeux. Je sais pas trop ce qu'il l'a tué. Ah mais si, ça doit être les tranchantes. Vu qu'il s'était barré. Et ben GG. GG Fenrir et Pharex. Bien joué les enfants. Issu d'un fluide de Mizutsune purifiante.
Elle sert dans je sais pas quoi. Fourrure mauve de qualité absorbe plus de mousse que je ne sais quoi. La mousse à bulle permet à cette griffe de découper ses proies comme des sushis. Oh. C'était quoi du coup ? Purifiante, elle sert dans les rituels. Je sais pas dans quel rituel, enfin, quels sont les fameux rituels. Je me souviens m'être posé la question sur le making of, je sais plus si je l'ai intégré ou pas. Mais je m'étais posé la question. Absorbe plus de mousse que sa version allégée. Et ok, ça on l'avait lu. Petite ondulite pour faire des munitions d'eau. Est-ce qu'on va pas bientôt avoir... Oh là là ! Oh, j'ai cru que c'était double rubis, mais non ! Double plaque, écoutez, je suis quand même assez content. Écaille très ancienne, capable de créer des arcs-en-ciel. C'est mignon ! Ah, j'ai pas lu la nageoire, excusez-moi le chat. C'était rapidement plié, en tout cas. Ouais, clairement, vous êtes plutôt fort. Alors, nous avons enfin des réponses. La raison de ce fléau... qui s'est abattu sur Kamura, la cause de la calamité. Tu nous as permis d'en découvrir le secret en chassant le Mizutsune. Au fil des recherches de la guilde concernant les monstres aux alentours, plusieurs indices ont été découverts, concernant non seulement la calamité, mais aussi ce monstre bleu. Et ce n'est pas tout. Nos éclaireurs ont aperçu ce dragon en train de survoler le temple oublié. Peu après, tous les monstres des environs se sont déchaînés. Pour couronner le tout, le Mizutsune était en rute. Oh! Ça n'a pas arrangé les choses, j'imagine. Nous avons toujours pensé que les monstres attaquaient les humains, parce que c'était l'ordre naturel des choses. Il semblerait que ce monstre soit la raison de leur frénésie et de cette migration massive. On ne l'avait évidemment pas du tout compris depuis 40 ans. Merci beaucoup, Fugen et Hojo, vous êtes vraiment des génies. Voilà donc le secret derrière la calamité, mais oui. Quel plot twist, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que la bête a été aperçue peu de temps après le début de la calamité. La guilde a nommé ce monstre féroce l'Ibuchi du vent. Mais du coup, est-ce qu'il y a un Ibuchi... Enfin, Ibuchi, pardon. Si c'était un C, il faudrait dire Ibuchi, mais là c'est Ibuchi. Donc Ibuchi du vent, est-ce qu'il y a un Ibuchi de je ne sais quoi ? Je ne sais pas. Nous devons les limiter pour mettre fin à la calamité. Je suis sûr qu'il sera vite de retour, nous comptons sur toi pour t'en charger le moment venu. Je te laisse t'atteler aux quêtes 6 étoiles qui viennent d'arriver en attendant que l'on en sache plus. Alors. Je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin pour ce stream. Quelle heure est-il ? Il est 23h09, on va se faire une ou deux quêtes grand maximum, mais on n'ira pas chasser l'Ibuchi du vent pour ce stream. L'objectif du coup c'est de le faire au stream prochain. Ah tu files Farek, c'est bien, bonne nuit à toi. Donc l'objectif, donc faire l'Ibuchi le stream prochain. Et puis du coup finir le jeu, le stream encore d'après. Comme ça on sera bien. Du coup, Fenrir, écoute, si tu veux te lancer dans une petite dernière quête, c'est bien avec plaisir. Et puis voilà, si toi aussi tu quittes, je pense qu'on s'arrêtera là. C'est pas un souci. On ira discuter un petit peu aux petits villageois. Qui ont plein de choses à nous dire, vu qu'on est avec un nouveau rang. Attendez, d'ailleurs, il faut que je discute avec Minoto pour débloquer le nouveau rang. Oublie pas les beaux screens. Ah oui, le beau screen. Alors, les quêtes 6 étoiles sont désormais disponibles. Jette un coup d'œil quand tu en auras le temps. Quelle surprise de découvrir que la calamité n'était en fait qu'une migration de monstres à grande échelle. Mais oui, quelle surprise ! Je n'ose imaginer la puissance de l'Ibuchi du vent s'il est capable de créer une telle frénésie. Il n'y a pas une seconde à perdre. Nous devons en finir avec la calamité et mettre fin aux souffrances de ma sœur. Du coup, je viens seulement de tilter que dans Monster Hunter World, le Xenogiva crée la migration des dragons anciens et tout. En les attirant, et du coup dans Rise, ben, l'Ibuchi du vent crée la migration des monstres en les repoussant. Voilà, c'est encore une fois un scénario très recherché. Pardon. Il n'y a pas une seconde à perdre, nous devons en finir avec la calamité, mettre fin aux souffrances de ma sœur. Mais oui ! Bien sûr, pour Minoto. Et pour l'écologie. Ah, on n'a pas le...
Le Magna Malo, putain. Comment on débloque le Magna Malo? C'est au niveau d'après? Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Ok, je vais choisir. J'achète juste moult trucs. J'ai une petite loterie. On achète dans le coffre moult munitions. Elles sont où les... Frag, c'est bon. Ça, on s'en fout. Tranchante, on va se faire plaisir. Oui, verne, j'en ai pas beaucoup. Mais je n'utilise pas en même temps. Et pot de pierre, on peut peut-être les prendre. Démon, il nous en faut plein. Je les ai ratés, les explosives. Ah, ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour finir? Tout ça, on s'en fiche. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Toby Kadachi, on l'a vu? Narga, on l'a vu? Ratalo, je crois pas qu'on l'ait vu. Mais attendez, on avait une quête pour capturer un Ratalos. On va le faire. Je crois qu'on avait un objectif secondaire. Ah, il nous manque encore des aubaines. Ah, oh, fallait le capturer, idiot bête. J'ai oublié. Ah, voilà. Capture un Ratalos. Ratalos, attrapez-le tous. Très bien. On va faire ça. On va le capturer. J'ai mangé. Putain, j'ai pas mangé. Excuse-moi, je me dépêche. C'est quand le prochain stream? Ce sera sûrement samedi soir. Peut-être vendredi. Non, je pense pas. Vendredi plutôt... vendredi, on fera plutôt... Enfin, je publierai le let's play de Monster Hunter 3 Ultimate. Et du coup, samedi soir, un petit stream, je pense, de Monster Hunter Rise. On peut faire ça. Toby Kadachi, je le trouve vachement plus vénère dans Rise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oh, j'aurais dû prendre le philoptère. Il y a encore un monstre qu'on n'a pas vu. Hein. On n'a pas vu tous les monstres encore. Hein. Sérieux? Bof bof le petit Toby. Ah c'est un monstre stylé, moi j'aime bien en vrai. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Petites anti-blindage pour commencer, ça lui fera du bien. Sérieusement. J'ai cru que c'était un autre Ratalos. Quoi? En plus il tape giga fort en fait. Au secours! Merci beaucoup. C'est vraiment pratique quand même. La charge rapide comme ça. Ça laisse bien plus de marge de manœuvre en fait, étrangement. Allez, on cherche à stun encore. Ça va aller. Ça a été. Dommage. En sérieux, le jeu, putain. Je suis désolé, Fenrir. Hein. Je suis vraiment désolé. Dis-moi si tu veux que je relance. Ça me dérange pas, moi. C'est au début de la quête. Mais il est nul. Il m'a raté. Bien joué, ça. Ok, je relance LG. Je lisais ton message et du coup je suis mort.
Idiot bête. Je savais pas que c'était toi, LG. LGX. On se dépêche. Hop. La première fois que j'ai fait le Ratalo sur Rav, je me suis tellement fait troll vu que je savais pas qu'il avait complètement changé de niveau de attaque. Mais clairement, ça loue pareil. La première fois que je l'ai fait, j'y suis allé en mode c'est bon, le Ratalos on connaît, trop facile, je vais le défoncer. Et j'y jouais vraiment relax quoi. Et il m'a défoncé. C'était horrible. Hop, je me dépêche. On a dit Ratalos. Hop là. Je les ai pris les objets ? Un petit doute. Moi, ça m'a l'air ok. En vrai, Rise a ultra bien amélioré les combats connus, genre coucher à la Daora, c'est du tout, tout. Ouais, clairement. Pareil, le... Bah, du coup, ouais, le Ratalos, je me souviens. Moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est quand il fait ses boules de feu en même temps qu'il vole, là. Je m'y attendais tellement pas la première fois. Et même encore aujourd'hui, hein, je m'en prends un bon paquet parce que je m'y attends pas. Tout simplement, pas du tout. Tu es sur PC avec une manette de play. Oui, c'est ça, Hugo. Et pour te répondre, du coup, je sais plus si je t'ai répondu, Valérie. Tu penses que l'Ibushi du vent et de la Naroa du tonnerre sont les parents du Hamatsu? Ce serait un bon plot twist. Ce serait un bon plot twist. Enfin, plot twist. Pas trop twist, mais... Mais ce serait cool qu'il y ait ça, ouais, dans Sunbreak, du coup. Après, bon, l'Hamatsu, c'est plus... orienté folklore japonais. Donc je pense s'il y a la Matsu, il serait pas dans le... Ce serait un peu en boss caché, tu vois. Ah, j'aurais dû prendre le bonus. Ah, Fenrir est allé chercher la petite épée qui est cachée en haut. Allez. Allez, viens le toutou. Ah bah non, peut-être pas en fait. Il est chercher l'épée ou pas? Je ne sais pas. Moi je vais juste le montrer au chat. Vous montez là-haut. Hop, hop. Mais j'ai déjà prise en fait. Je suis la putain des merdes. Moi qui vais vous montrer quelque chose. Métal mystérieux qui peut fusionner presque tous les matériaux. Le fusion, très bien. Bah oui, écoutez, je l'avais déjà pris, excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, c'est parti. Un petit boost. Calmez-vous, monsieur. C'est cadeau. Il est stun ou pas, là? J'arrive pas à voir. Oui, il est stun. C'est pas grave, je continue de mettre des... Des anti-blindages. Faut que je me mette un switch rapide pour switcher les tranchantes et les explos. Merde, j'ai raté. Ça va aller. J'ai vu flasher, j'ai galéré à trouver mes flashs, désolé. J'ai pas pu t'aider. J'ai eu là. Je sais pas trop ce que j'ai touché, mais j'ai touché quelque chose.
Une écaille de Rathalos extraordinairement solide. Alors, où va-t-il? Par là. J'ai raté un objet? Oh non. C'était juste Fenrir qui aiguisait. Ok. Tellement farm le Rathalos expert que maintenant il y... Oui, je me doute. Au début, il est très déconcertant. Puis au final, avec le temps, ça va. Mais non, mais sérieusement. Je vais juste placer mon petit coup de phylloptère là. Comme ça, voilà. Pas comme ça. Je déteste cette attaque. Oh, je suis mort. Mais quelle grosse merde, je suis désolé Fenrir. Suicide-moi. Non, il n'y a pas du tout. Oh, pff, sérieux. Je suis vraiment désolé hein, Fenrir. Je suis navré. C'est trop chiant. Ma connexion ne veut plus. Je suis navré. Je vais le finir en solo. J'ai pas envie de plus t'embêter. Merci beaucoup d'être resté. Et mille pardons. Entre moi qui fais de la merde et la connexion qui ne veut pas. Je vais te laisser aller te reposer. Ah là là, putain. Je vais essayer de streamer seulement en 1080p. Peut-être que diminuer la résolution, ça va encore aider, je ne sais pas. Merci pour ce moment, c'est ça. Ah, ça me saoule, putain. Je suis vraiment désolé, en plus, on en a relancé une et tout, et voilà, je suis pas... J'aime pas ça. Donc, mille pardons, petit. Mais il va où, lui? Ok. Bah, salut, hein. Mais du coup, Fenrir, c'était... C'est Full Manito ou CLG? Moi, je suis perdu. Qui était Fenrir? Évidemment. Oh, je vais réussir à crever. Je suis dans la merde vu que j'ai pas assez de défense, en fait. En même temps, j'ai deux rangs... Enfin, j'ai un rang de retard. Il faudrait que je change d'armure. Waouh, comment j'ai pu rater sa tête? La petite deuxième? Voilà. Ah oui, du coup, c'est bien ça, ok. Je comprends mieux. C'est pas zéro bug, du coup, titre putaclic, je me désabonne. Ouais, mais en vrai, c'est au moins c'est zéro skill. C'est bon. Le pari est tenu. Oh putain, il m'a fait peur le con. Non mais je vais réussir encore à crever. C'est vrai que l'armure tétranaton contre le Rathalos, il y a mieux. Je reconnais qu'il y a eu erreur. C'est tout? Oh mais non! Ok, je me réabonne.
En plus, je crois que j'ai aucun katana viable. Est-ce qu'on va vraiment finir ce stream de mort sur un fail de quête? On va au moins déjà manger. Attendez. Booster, ça sert à rien. On va au moins prendre un peu de défense. Vaillant, ça ne sert à rien. Ah, mais je l'ai pas encore, le truc qui me permet de mourir une fois de plus. C'est terrible. Défenseur, médecin, c'est sûr. Inifuge. Puis voilà, YOLO. Le mec, Flemar, qui veut pas changer. T'as pas changé d'armure depuis le rang 6, j'avoue que. Pas mal. Pas mal du tout. J'aurais peut-être dû l'améliorer tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez. Je me disais non, mais bon, ça sert à rien. Je suis en fusard, je me fais pas beaucoup jouer. Je suis à distance. Jusqu'au moment où on joue plus en multi. On va choper quelques petits spectres oiseaux verts. Je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont sur cette carte. On va essayer de plus mourir. Après, entre les boosts défensifs et de vie, peut-être qu'on arrivera quand même à faire quelque chose. L'idée, c'est de survivre à une boule de feu. Bonjour, monsieur. Comment on débloque des boules? Comment ça? Putain, obligé de claquer encore mon ulti pour ça. Là, il tape tellement fort. Même là, vous voyez, c'est même pas une attaque de feu et je prends tellement cher. Cette attaque là, ça je m'y attendais tellement pas la première fois. Ah, des boulettes de Dango, c'est en faisant les sous-quêtes pour moi de. Bon, c'est très tôt ce que j'ai fait. Non, c'est bon. C'est en faisant les sous-quêtes de Yomogi. Sérieusement, comment il peut me rater là? Il est nul ou quoi? Voilà. Heureusement qu'il était stun ça. Oh merde, j'ai pas visé. C'est bon, c'est passé. C'est passé large. Je pensais que ça passerait cette esquive. Elle était bien timée et tout. Avec évasion, ça serait passé. Alors là, attention, voilà. Le petit bait. Oh. Je préfère jouer safe, hein, parce que clairement. Trop le droit à l'erreur. On va essayer de parler français. J'ai pas ma vie au max. Ouf. Pourquoi je me soigne pas? Je déteste cette attaque. Ah, il est stun. Heureusement que je l'ai pas prise. Oh, j'avais raison en plus. Insane. Ah, ça c'est pas mal.
Au secours, au secours. Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On tire des tranchantes? Super de rater. Ok. Attends, on a failli se faire choper. Mais non, il a bougé sa queue, le petit coquin. On a esquivé in extremis. Alors là par contre, si on se prend une boule de feu, c'est la mort instantanée, je pense. On va jouer safe. Déjà, la queue c'est fait. Faut pas que j'oublie le capturer. Oh, petit bâtard. Oh putain, quel enfer. Putain, il vise giga bien, c'est abusé. Regardez-moi ça, comment il vise bien. Le petit bâtard. Putain, c'est chaud, hein. En vrai, j'ai trop peur de perdre. Mais attendez, non, il n'y a pas un philoptère? Non, il n'y en a plus qui traîne, je l'avais pris. Non mais sérieusement? Le ouf. J'ai l'impression que ma co-bug... Ah ouais? Non. Oui, ça, évidemment. Vu qu'on est face à un bon gros balou. Allez! Tu n'es pas perdu, j'ai un rugby. Bien joué ça! Je crois que je l'ai déjà lu. Ou alors je l'ai lu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas dit à l'oral. Moult loot là! Non mais sérieusement! Ouf! C'est vrai que dans le premier Monster Hunter, le Rathalos avait sa propre musique. Je ne sais plus. C'est une bonne question. En tout cas, bonne nuit. Bonne nuit, Clément. Mais non, je crois pas que ça a bugué. Attends, je regarde. Je crois pas. Sur YouTube, ils me disent que tout est ok. Non, non, ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air ok.
il est si loin, le petit bâtard. Ah mais attendez, le beau jeu, la connaissance, et voilà des munitions anti-blindage, on va pouvoir refaire des anti-blindage 3, quel génie! On en a un peu besoin en même temps, j'ai envie de vous dire. On va énerver direct. Attention. Pas contre un mur, pas comme ça, Zinedine. C'est bon. On respire. Voilà. Il commençait à devenir chiant, non? En tout cas, c'est le moment de prendre vos paris dans le chat. Est-ce que je vais y arriver ou pas? Oh, il a relevé la tête. Sérieux, il a mis un coup d'aile devant. Ok, il me la remettre dessus. C'est un petit. C'est un espèce de coup de la ratienne en fait ce qu'il fait là. Je me fail à la fin. Il y arrive 50% sûr. Oh putain, j'ai eu si peur. Quel petit con. Aïe. C'est terrible. Quel cruel échec. Moralité, voilà. Moulinet Kamoura, c'est quoi cette affaire? Terrible erreur de la part du joueur français, exactement. C'est quoi cette histoire de Moulinet par contre? Peut-être dans la carte de guild qu'on va voir ça. Ah, attendez, c'est où? Ah voilà. Pour avoir accompli 1000 propulsions sur des philoptères, tourne dans le vent. Allez, c'est pas grave. Bon, on va s'arrêter ici, je pense. Après, attendez, je regarde l'heure. Ouais, il est 23h40. On s'arrête ici. On se donne rendez-vous samedi pour la suite de ce Let's Play. Rendez-vous vendredi pour Monster Hunter 3 Ultimate. J'aurais changé d'armure. Alors, attendez, je regarde un petit peu. Je pense que je ferai une armure de l'un de ces monstres hein, d'ici samedi. Donc bon, je ferai cette quête de mon côté. Je regarde, je crois qu'on n'a pas vu le Toby, on n'a pas vu l'Anjanas. Le Narga, j'ai un petit doute. Je vais regarder vite fait. Hop, qu'est-ce qu'on avait fait au village? On avait fait l'Almudron. Ça on n'avait pas fait. Narga on l'avait fait, c'était l'Anjanas qu'on n'avait pas fait, Zinog on a fait, ok bon. Bref, je me ferai une petite, une nouvelle armure, nouvel équipement pour les pile poil aussi. Comme d'habitude, hein, un stream, un set. Donc voilà. Retenez quand même, pour ceux qui n'ont pas forcément fait le jeu.
Il est fortement conseillé quand même de changer d'armure, je veux dire. Pas trop fréquemment, enfin, vous pouvez y aller pas trop fréquemment au village. C'est vrai que dès qu'on est dans les quêtes experts, essayez de changer d'armure ou au moins des parties d'armure à chaque fois que vous changez de rang. Enfin, moi je vous le conseille. Donc voilà, alors lui, on s'en fout encore une fois. Parce que vous voyez que là aujourd'hui, on a des monstres comme le Mizutsune. Donc ils font 60 de défense par partie alors que moi j'ai que 40, donc voilà, c'est un bon 30% de défense en plus. Donc voilà, si vous avez un peu de mal, faut pas hésiter. Ah, est stylé cette armure. C'est quoi cette armure coquille là? Ça j'aime bien. Ah mais c'était le casque là, c'était ce que t'avais Salou, non? Je ne sais plus. Bref, ceux qui découvrent le jeu, vraiment, faut pas hésiter à changer d'armure assez fréquemment, particulièrement en rang expert. Dès que vous commencez à prendre un petit peu des dégâts ou vous prendre des one-shots, typiquement ce que moi je prends, eh bien c'est le signe qu'il faut changer d'armure. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous samedi, comme je vous disais. Merci beaucoup d'avoir suivi le stream. Merci à Salou, merci à Fenrir et à Farex, du coup, de m'avoir carry dans cette session incroyable. Je suis RC50 et j'ai une pièce d'armure novice. Oui, non, mais bien sûr, tu peux en avoir une ou deux des pièces. Enfin, au-delà d'une, ça devient chaud, mais. Enfin, ça devient un peu plus compliqué au niveau de ta défense. Mais oui, c'est tout à fait possible d'avoir des pièces d'armure novice dans ton set. Hein. Le nombre de personnes qui ont fait le Fatalis avec une pièce de Behemoth, je crois. Donc. Je te parle de Monster Hunter World. Hein. Donc c'est tout à fait possible, ouais, c'est juste pas recommandé, quoi. Mais en artilleur, oui, d'autant plus en artilleur où on prend beaucoup plus cher, hein, on a vraiment une défense pourrie. Mais voilà, bref. Prenez soin de vous, on se fait des petits bisous. J'avais jamais remarqué, mais cette selle est méga stylée. Attendez, je rêve ou... On est d'accord que ça fait un espèce de kayak? Mais oui! Attendez, j'avais pas du tout tilté, mais en fait, c'est un kayak avec... Et son arme, c'est une pagaie. Littéralement, on peut pagayer sur son dos. C'est énorme. Voilà. Bon, allez. Des petits bisous, prenez soin de vous. Rendez-vous dimanche... dimanche, samedi. Je sais pas encore si je streamerai dans l'après-midi ou dans la soirée. À voir. Peut-être que je vous ferai un sondage sur Twitter. Donc voilà, vous me direz. Des petits bisous, prenez soin de vous, merci pour le stream. Je vais voir du coup pour le prochain stream aussi à streamer en 1080p pour espérer ne plus avoir de problème de connexion. Voilà. Des petits bisous, prenez soin de vous. Et des bisous. Ciao tout le monde. Flammes sacrées.